ChatDV 2020, mardi 8 décembre au matin. Bonjour à tous, bienvenue de nouveau pour ces journées d'études technologie et d'efficience visuelle. Alors avant de céder la parole à Denis Boulet, qui sera le grand maître de cérémonie de cette matinée, quelques petits avis techniques pour le coup. Vous savez ou vous ne savez peut-être pas que l'ensemble de ces échanges sont actuellement transcrits, donc sur Zoom pour ceux qui ont la possibilité d'être sur Zoom, également sur YouTube, mais pour autant on constate une mauvaise qualité en termes de reprise des sous-titrages. C'est un problème lié aux tuyaux, pour être très clair, hein, c'est-à-dire que ce sont les tuyaux qu'on utilise dans Zoom et dans YouTube qui font que la transcription s'affiche par moments de façon tronquée, saucissonnée, etc., d'une part. Et d'autre part, pour ceux qui ne connaîtraient pas les métiers de la transcription, les transcriptrices ont la possibilité de corriger a posteriori quelque chose qui aurait été saisi à la volée et pas forcément correct à 100%. Et ces corrections a posteriori, en très léger décalage, ne sont malheureusement pas reprises dans le flux. En tout cas, pas dans le flux de Zoom et de YouTube. Pour ce faire, du coup, le messageur, qui est donc notre partenaire pour la transcription de ces journées, a mis en place un lien particulier qu'on vous a diffusé sur le chat de la chaîne YouTube de la Fédération des aveugles et amblyopes de France, lien également posé là sur le chat de Zoom, et qui permettra à celles et ceux qui voudront du coup avoir la transcription en direct de l'avoir dans de meilleures conditions que ce qu'on peut avoir en termes d'affichage dans Zoom et dans YouTube. J'en terminerai également en vous disant que cette transcription sera de toute façon mise à disposition avec les replays YouTube et de façon séquentielle, notamment pour une bonne compréhension de chaque session. Voilà, j'en ai terminé pour ces quelques considérations techniques. Je donne donc maintenant la parole à Denis Boulet pour lancer et animer cette première table ronde sur jeux et numérique. Merci Fernando, bonjour à tous, merci d'être présent pour cette deuxième journée de notre JetDV 2020. Alors j'ai le plaisir d'animer la session « Jouer à l'heure du numérique, quelle accessibilité ?» Alors jouer en ligne, pour pouvoir avoir accès à des jeux grand public dont on ne suspecterait même pas que des personnes qui voient mal ou qui ne voient pas du tout puissent un jour devenir champion du monde de ces disciplines, font partie des choses que j'ai apprises en préparant cette session. Et je ne vous cache pas, je me suis régalé lors de cette préparation avec les trois intervenants qui vont vite se présenter. J'ai le plaisir donc d'accueillir pendant cette heure d'échange Laurent Lallet, de la société Brain Game Speaking. J'ai le plaisir d'accueillir aussi Yannick Plassiard, que vous avez écouté hier, de Cécitech. Et enfin, Olivier Noury, de la société B-Player One. Je vais y arriver. Donc, des petits anglicismes, là, je crois qu'on n'est pas au bout de nos peines avec ces quelques termes en anglais. Sachez que, justement, on va avoir de nombreuses références à des jeux qui sont souvent en anglais. Donc, via le chat, à la fois dans YouTube, à la fois dans Zoom, vous aurez accès à des liens, à des références. Donc, soyez rassurés avec ça. Messieurs, je vais vous demander, donc Yannick, Laurent et Olivier, de vous présenter en deux minutes, de nous parler un petit peu de vos parcours, de votre société, évidemment, de votre expertise, et puis aussi, qu'est-ce qui vous a incité à vous investir dans cette problématique de l'accès aux jeux pour les personnes en situation de handicap, et particulièrement de handicap visuel. Je vais passer la parole à Laurent. Je crois que Laurent, il y a une vidéo à passer. Allô Laurent. Alors, en attendant que Laurent peut-être nous rejoigne, je vais passer la parole à Yannick. Oui. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais me présenter très rapidement, auteur de cécitech.fr depuis 11 ans maintenant. Ça a démarré en 2009, cette aventure
dont le but est de présenter des technologies, des logiciels, des matériels au public déficient visuel sur Internet, puisque bah, il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Maintenant, c'est beaucoup plus fourni, mais ça continue malgré tout. Et du coup, au travers d'abord de la présentation d'aides techniques du style lecteur d'écran, logiciel permettant de faire diverses tâches sur un PC, sur un smartphone, sur ce genre de choses, eh bien, on en est venu à aussi présenter des jeux, puisque bah, on peut travailler, on peut se divertir, mais on peut, enfin voilà, on peut aussi justement se divertir et s'amuser. Donc, bah, autant en profiter. Au-delà de ça, mon parcours professionnel fait que je suis ingénieur dans une en informatique, dans du développement logiciel, et du coup, ça m'amène aussi à m'interroger un petit peu, quand je le peux, sur la manière dont justement les jeux sont faits, comment retranscrire quelque chose au niveau sonore, comment améliorer l'immersion, comment faire en sorte que le joueur garde ses repères dans un environnement, dans l'espace dans lequel, bah, principalement dans le médium du jeu vidéo, les repères sont visuels. Comment transcrire ces repères au niveau sonore? C'est toutes les questions qu'on se pose aussi sur dans le podcast de CCTech, et parfois on fait des petits débats pour tenter d'y répondre. Merci Yannick pour cette présentation. Laurent, est-ce que on vous a récupéré? Perdu Laurent pour l'instant. Bon, on va attendre que... En tout cas, on ne l'entend pas. Olivier, je vais te demander de prendre le relais pour laisser quelques instants Laurent pour nous rejoindre. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, je suis Olivier Nourry, je suis consultant en accessibilité numérique depuis une douzaine d'années maintenant. Et depuis peu, bah, je participe à une aventure qui est BePlayerOne, qui est une start-up française qui se dédie entièrement à l'accessibilité aux jeux vidéo. Donc, nous fabriquons, nous concevons également des matériels et des logiciels pour accompagner des situations de handicap. Également, nous équipons des joueurs, nous les conseillons pour des solutions personnalisées d'adaptation. Et à l'autre bout de la chaîne, on conseille aussi les éditeurs, les développeurs sur comment on va intégrer les besoins de l'accessibilité dans les jeux. Donc, c'est une thématique qui est vraiment, qui a vraiment décollé, je pense, en 2020. On pourra revenir un peu là-dessus. Vraiment, c'est une année charnière pour plusieurs raisons. Et je crois qu'on est vraiment, on suit le mouvement et on essaye de l'accompagner. Donc, il n'y a pas beaucoup de sociétés en France qui le font. On a quelques associations, mais en tout cas, voilà, on est, et même au niveau mondial, c'est encore un sujet très, très émergent, mais qui est en train vraiment de décoller. Donc, c'est hyper intéressant à observer. Merci Olivier. Alors, je vais me retourner encore, Je vais demander à Laurent s'il il a quelques... connexion valable pour se présenter. Bon, en attendant que Laurent puisse... Alors, Laurent a donc son micro éteint. Donc, ce que je vais faire, c'est que Laurent est responsable d'une société qui s'appelle Brain Game Speaking et qui développe une application dédiée pour les personnes en situation de handicap visuel. Il vous expliquera ça quand il aura retrouvé la parole. Mais il m'a demandé de toute façon, lors de sa présentation, de vous passer une petite vidéo qui est sur YouTube. Donc, je vais me permettre, en attendant que Laurent nous rejoigne, eh bien, de diffuser cette vidéo, et il prendra la main pour la commenter en espérant que la petite minute 30 de la vidéo lui permettra de nous rejoindre rapidement. Donc, je vais faire un petit partage d'écran et je vais lancer la vidéo. Moj Écoute, premier jeu de mots croisés tactiles et vocales conçu pour les personnes malvoyantes. Deux visuels disponibles, dont un qui comprend des contrastes et des codes couleurs spécialement définis pour la basse vision. Trois modes de jeu, le 100% tactile classique, le tactile et vocal et le 100% vocal. Le mode tactile et vocal permet de travailler sa vue de manière ludique, aidé de caractères à taille variable et du soutien de la voix. Correct.
Mot en 9 lettres, chien attache. Commande aide. Dalmatien. Correct. Le mode 100% vocal permet de jouer à l'aveugle du début à la fin du jeu en utilisant la surface de l'écran comme un bouton micro. Commande définition. Mot en 5 lettres, piaille dans la nuit. Première lettre, U. Commande aide. Cinquième lettre, U. Ulule. Disponible sur mobile et tablette, son téléchargement est gratuit avec des premières grilles avant de poursuivre par un abonnement ou l'achat de pack. Voilà pour la petite vidéo de l'application Moi J'écoute. Alors, il y a quelques parties qui n'étaient pas complètement audio-décrites, mais voilà, on avait une vue de l'interface sur tablette ou sur mobile qui permettait de voir qu'une personne faisait un mot croisé ou des mots à trous. Bon, après, la voix off vous a permis d'entendre un petit peu les restitutions vocales, enfin la commande vocale et la restitution vocale pour pouvoir permettre à la personne de pouvoir jouer normalement à ce jeu. Alors Laurent, on va espérer que tu puisses nous retrouver un moment. Je vais demander à Olivier, justement, qui a un petit peu introduit le propos, c'est que on va lui demander déjà de faire un état de l'art de ce que c'est que jouer aux jeux vidéo quand on est une personne handicapée et par extension quand tu es une personne handicapée visuelle. C'est quoi les étapes? Qu'est-ce qui se passe? Et où est-ce qu'on en est finalement? Oui, alors déjà, il faut savoir que nous, on a fait une étude auprès des personnes handicapées au sens général du terme pour savoir quelles étaient leurs attentes et également les frustrations, les barrières qu'elles rencontrent dans l'accès aux jeux vidéo. Et un des constats que l'on a fait, qui ne nous a pas, pas surpris, mais qui peut surprendre éventuellement le grand public, c'est qu'il y a autant de joueurs chez les personnes handicapées, y compris déficientes visuelles, que dans le reste de la population. Et l'attente vis-à-vis des jeux est exactement la même. Et les goûts manifestés dans les types de jeux sont aussi les mêmes que dans le reste de la population. Il n'y a pas vraiment de différence faite entre les attentes et aussi les pratiques de jeu entre les personnes handicapées et les autres. Simplement, évidemment, les barrières sont plus importantes, très clairement. Alors, c'est un équilibre délicat à trouver, puisque finalement, un jeu, ça consiste à surmonter des barrières. La question, c'est est-ce que ces barrières sont franchissables ? Évidemment, le plaisir du jeu, c'est de les franchir, ce n'est pas d'échouer. Donc, ce qu'il faut trouver, c'est le juste équilibre entre le challenge qui est posé et la faisabilité de ce challenge. Et parfois, la situation du handicap entraîne des challenges qui sont insurmontables parce que simplement, il y a un mauvais choix de couleur ou un mauvais choix de police de texte, et ce qui rend l'expérience désagréable et voire infaisable. Donc, toute l'idée de l'accessibilité dans le jeu vidéo, c'est justement d'arriver à proposer à la fois un challenge qui soit satisfaisant et en même temps qui soit faisable et qui ne soit pas frustrant. On a quand même autour de 20% des personnes qui ont répondu à l'enquête, qui était autour de 330 personnes. 20% nous ont dit, eh bien, on a arrêté d'acheter des jeux à cause de l'inaccessibilité. Et l'inaccessibilité des jeux est vraiment citée comme la première raison pour laquelle les gens jouent moins que ce qu'ils aimeraient jouer. Donc à 90%, les gens disent c'est à cause de l'inaccessibilité que je joue moins que j'aimerais. Donc c'est quand même des chiffres qui sont très conséquents. Donc, quand on les a présentés aux développeurs, aux studios lors d'une conférence récente en septembre, les réactions ont été très fortes, très marquées, comme étant waouh, on n'avait pas idée de ça en fait. Ils n'avaient pas la notion effectivement de l'importance de cette thématique, même si c'était des gens qui pourtant sont vraiment orientés sur l'accessibilité. Donc ça, c'est un premier point à retenir. Et donc, dans cette attente, quand même, effectivement, les gens jouent à certains jeux. Parfois, ils sont obligés de choisir ceux qui leur permettent de jouer. C'est une thématique récurrente de l'accessibilité. Les gens sont limités aux choix qui leur sont imposés, finalement. Et malgré tout, on a des expériences, comme tu le disais tout à l'heure, Denis,
de gens qui sont des joueurs de niveau professionnel, même au niveau mondial, qui jouent à des jeux alors qu'on s'y attendait pas. Par exemple, les jeux, un grand classique, c'est Street Fighter, qui est un jeu de combat. On a aussi Mortal Kombat, qui est dans la même catégorie. Et on a des gens qui sont totalement aveugles et qui sont extrêmement performants dans ces jeux, puisqu'ils vont se guider sur les indices sonores. Alors, ce n'était pas forcément volontaire de la part des concepteurs du jeu, c'était plutôt du cosmétique, hein, au point de vue sonore, mais ça aide effectivement à détecter les mouvements, à anticiper ces mouvements, et aussi à savoir quelles sont les stratégies d'attaque de l'adversaire et de les contrecarrer avec notamment des réponses dans le jeu, quoi. Alors ça, c'est un premier niveau d'accessibilité, c'est effectivement s'appuyer sur ce qui existe dans le design, ce qui est prévu dans le design, pas forcément pour l'accessibilité, mais de manière générale. Après, on peut aller bien sûr plus loin et accentuer cette notion-là. Donc, il y a des jeux qui, depuis quelques années, je vais dire que ça a commencé à aller depuis 5-6 ans, où on a notamment des bonnes pratiques. Donc, j'ai posté le lien dans le chat de Zoom. On a des bonnes pratiques qui nous permettent de savoir ce qui serait bien de faire dans le domaine du jeu, sachant qu'il n'y a jamais aucune obligation. Mais ce qui est particulier à l'accessibilité du jeu, c'est que finalement, les gens viennent jouer parce qu'ils le décident et ils payent pour cela. Et ça, c'est un motivateur énorme pour les créateurs de jeux, puisque chaque fois qu'ils ont un joueur de plus, ils ont du chiffre d'affaires de plus, sous une forme ou sous une autre, que ce soit par la publicité ou par l'achat de contenu ou l'achat carrément de licence. Donc ça, c'est extrêmement moteur, c'est un moteur vraiment très puissant côté accessibilité. Et on constate depuis 5-6 ans donc, des efforts qui commencent à être faits, et c'est à peu près le cycle de conception d'un jeu, des plus gros jeux, ce qu'on appelle les AAA, c'est-à-dire l'équivalent des blockbusters au cinéma, donc qui ont des budgets et des moyens comparables à un très très gros film, eh bien, on commence à en voir les effets. Et en 2020, on a vu notamment un jeu AAA qui, pour la première fois, a permis à des joueurs entièrement aveugles de le terminer, alors que c'est un univers qui, a priori, paraissait vraiment lointain hein, pour des personnes déficientes visuelles, puisque c'est un jeu en 3D. Qui est beaucoup basé sur l'exploration et le combat en 3D, et du coup paraissait assez inadapté à ce type de déficience. Et pourtant, effectivement, les efforts qui ont été consentis par l'éditeur, qui a vraiment fait une démarche très très proactive en invitant des joueurs à faire des ateliers avec les développeurs, donc des joueurs déficients visuels, moteurs et autres, et ils ont vraiment vraiment fait un gros investissement là-dessus. Et ce qui a même été très intéressant, c'est qu'ils ont aussi fait un investissement sur le marketing de l'accessibilité. Quelque chose de complètement nouveau. Pour une fois, maintenant, on parle dans la presse grand public de l'accessibilité des jeux, ce qui est complètement inespéré jusqu'à il y a un an, quoi. Donc, le jeu dont je vous parle, c'est The Last of Us Part 2. Alors, pardon pour mon accent, je vais le taper dans le chat. Il est très bon, t'inquiète pas. C'est gentil. Même si c'est pas vrai, c'est gentil. Donc ça, c'est un jeu qui est vraiment à défrayer la chronique, puisque non seulement c'est un excellent jeu qui remporte tout un tas de récompenses à tous les niveaux, y compris design, y compris scénario et autres, mais qui en plus est extrêmement accessible et qui a provoqué beaucoup, beaucoup d'émotions au point que même dans le... Dans la presse grand public comme CNN, comme la BBC, ce jeu a fait parler de lui pour son accessibilité et pas uniquement pour son impact artistique, j'allais dire. D'accord. Donc ça, c'est un gros progrès. Et puis l'autre, donc c'est pas le seul, on a d'autres très gros titres. Il y a même donc maintenant l'équivalent des Oscars pour le jeu qui a introduit une catégorie innovation dans l'accessibilité. Donc il y a des jeux, notamment Assassin's Creed, c'est la dernière version Assassin's Creed, Valhalla, qui est cité. Il y a Watch Dogs Legion, qui est aussi un autre jeu d'Ubisoft. Il y a Grounded, qui est un jeu où vous êtes dans la peau d'un insecte, en fait, d'un humain de la taille d'un insecte dans un jardin. Et puis également un jeu, ce qu'on appelle indépendant, c'est-à-dire développé par un développeur ou une petite équipe, qui s'appelle Hyperdot, qui, pareil, a fait un gros travail sur l'accessibilité et qui est récompensé de cela par cette nomination. Alors, il y en a plein, il y en a cette année, je pense qu'on peut compter sur une bonne douzaine de gros titres qui ont fait un travail intéressant d'accessibilité. Et puis, ce qui a également été très marquant, au moins sur le plan symbolique, c'est la sortie des deux nouvelles consoles de chez Sony et Microsoft. Alors, Microsoft a une tradition d'accessibilité qui fait que la Xbox précédente était déjà
relativement bien doté en termes d'accessibilité. Il y avait déjà un lecteur d'écran, donc celui de Windows. Et pour Sony, eh bien, la nouveauté, c'est qu'ils ont introduit effectivement un lecteur d'écran multilingue, très performant, à ce qu'on m'a dit, parce que je n'ai pas encore la chance d'avoir cette console. Et surtout, on a aussi tout un ensemble de fonctions prévues dans les consoles, mais également sur le plan physique, puisqu'on a maintenant des indicateurs tactiles pour savoir quel est le connecteur à brancher pour la prise HDMI, quel est le connecteur pour la prise audio et autres. Et puis, au niveau des manettes, aussi des retours tactiles, très, très développés, notamment sur la PlayStation 5, où on peut avoir des sensations extrêmement fines, par exemple le sentiment de sentir la pluie sur les doigts, ce qui est quand même assez remarquable. Donc, on a des choses qui sont très intéressantes et avec un gros potentiel pour l'accessibilité. Et ça, c'est très, très encourageant pour la suite. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup, Olivier, pour nous avoir exposé en quelques mots la situation en 2020. Moi, ce que je retiens, et tu l'as dit dans ta présentation, et je vais me tourner un petit peu vers Yannick et Laurent. Toi, tu dis l'année 2020 est une année charnière. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Justement, la catégorie accessibilité dans des awards sur les jeux vidéo, c'est quand même extraordinaire quelque part. Et je voulais avoir un petit peu le sentiment de Yannick sur la question. Est-ce que 2020 aussi, dans les retours que tu peux avoir dans les podcasts, dans toutes les discussions que tu peux avoir, est-ce que vraiment au niveau du jeu, c'est quelque chose que tu ressens, Yannick ? Beaucoup d'attentes, ça c'est certain. Une année charnière, c'est aussi certain, puisque The Last of Us Part 2 a fait énormément parler de lui, puisque c'est un jeu vraiment triple A, donc un jeu, comme l'a dit très bien dit Olivier, hein, c'est un jeu développé par Naughty Dogs, qui est un studio de développement en lien avec Sony, donc... C'est vraiment des gros, des très, 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 très gros. Il faut savoir que dans le jeu vidéo, il y a des dizaines et des dizaines, voire des centaines de studios de développement qui se battent pour obtenir quelques pourcents du marché, en sachant que le reste est bien souvent pris par justement des jeux en triple A. Ça, Olivier, on reparlera peut-être plus en détail. Mais oui, clairement, une année charnière. Après... C'est intéressant de voir effectivement des jeux grand public devenir accessibles, et notamment les perspectives réjouissantes qui sont dessinées par l'arrivée de ces nouvelles consoles qui intègrent des lecteurs d'écran, et non seulement des lecteurs d'écran, mais aussi des choses en interne au niveau logiciel pour faciliter l'accessibilité aux éditeurs de jeux vidéo, puisque un indépendant qui veut créer son jeu indépendant sur PlayStation 5, eh bien, il n'aura plus besoin de s'occuper de savoir « Ah oui, mais mince, j'ai pas de synthèse vocale, je ne sais pas comment ça marche, comment je fais ?» Puisque Sony, à travers ses kits de développement, va permettre justement de s'interfacer avec ce qu'ils ont déjà fait avec le lecteur d'écran pour faire en sorte que justement on puisse faire parler un jeu, notamment. Alors après, le jeu vidéo, il y a toute une frange peut-être un peu moins connue et pourtant qui nous concerne directement du jeu vidéo, qui est aussi là, qui est aussi présente, qui est... Par exemple, le fait que en fait, des jeux accessibles au jour d'aujourd'hui, il en existe, au dernier comptage que j'ai fait hier soir, près de 790, tout support confondu et tout type de jeu confondu. Du jeu de réflexe où il faut appuyer sur un bouton au bon moment, au jeu en audio 3D où on est aux commandes d'un héros dans une aventure médiévale, en passant par des jeux de sport, des jeux de tir, des jeux de... Enfin bref, beaucoup de catégories de jeux ont été représentées. Et ces jeux dits accessibles, alors certains sont gratuits, certains sont payants, certains sont plus ou moins avancés en termes de développement. Parfois, ce sont des projets de recherche d'université qui
sont allés jusqu'à un certain point, mais pas forcément jusqu'à un jeu complètement terminé. Ça ouvre énormément de perspectives rigolotes et intéressantes sur l'exploration justement de ce qu'il est possible de faire en termes d'audio et en termes de représentation sonore pour provoquer une expérience ludique chez le joueur. Et on a vraiment de tout, j'aurai quelques exemples à vous illustrer à la fin, on a vraiment de tout dans ce domaine, des choses très bien, des choses qui peuvent paraître un peu moins bien, on y reviendra un peu plus tard, mais du coup, c'est vrai que les technologies aidant, pour conclure sur ta question, Denis, les technologies aidant, c'est sûr qu'on va aller de toute façon vers du mieux. Ça, c'est une certitude. J'aime bien quand tu finis une phrase comme ça. Tant mieux pour tous ceux qui nous écoutent et toutes les publics handicapés visuels notamment qui peuvent s'intéresser à la question. Je vais me retourner vers Laurent. Laurent, est-ce que justement parmi les 790 références que a pu compter Yannick depuis hier soir. Donc déjà, on le remercie de passer ses soirées à compter plusieurs centaines de jeux. Merci Yannick. Laurent, toi, tu es dans une catégorie de jeux qui est un jeu accessible, complètement accessible, on a pu le voir, avec justement une interaction vocale, enfin 100% vocale. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Laurent, et aussi avec le prisme de 2020 était une année charnière? Allô Laurent, on t'entend très mal pour l'instant. Est-ce que tu peux t'approcher de ton micro éventuellement? Là c'est mieux. Ah c'est parfait. D'accord. Par rapport à mon prisme, en effet, depuis un an, je me suis vraiment investi dans ce type d'application pour aider les malvoyants non-voyants à vraiment poursuivre le jeu de mots et de réflexion, et je me rends compte qu'il y avait un vrai besoin, vraiment, de l'accessibilité de ce type de jeu. Et donc, je confirme en effet qu'il y a une vraie démarche actuelle de l'ensemble des développeurs, et des petits comme des gros, à améliorer l'accessibilité des jeux vidéo. Alors, moi, je suis vraiment dans une niche. J'ai développé cette application, vous avez vu la vidéo tout à l'heure. Vraiment pour à la fois permettre aux non-voyants de jouer à 100% à la voix par la connaissance vocale ou de jeu de mots, et également dans un autre mode, aider les personnes qui ont encore une vue active de la travailler tout en s'amusant. Donc ce jeu a été développé avec des orthoptistes et des opticiens et également avec l'aide des associations vraiment bien définir le besoin et répondre à cette envie de travailler sa vue de manière ludique et de ne pas se réduire à ne faire que de l'audio. Donc, la chance de pouvoir aider. Donc, ce jeu a vraiment deux approches, hein, aider les malvoyants et également permettre la civilité totale, y compris aux non-voyants, à ces jeux via les mobiles, smartphones et tablettes. C'est vraiment un besoin manquant jusqu'à ce jour, et je pense que c'est une des solutions aujourd'hui qui permet à ces personnes de continuer à avoir l'accessibilité à ces jeux. C'est une tendance que tout le monde voit aujourd'hui. J'y participe par ma petite fenêtre de l'adaptation au travail de la vue, pour ceux qui en ont encore suffisamment, et à ceux qui sont complètement non-voyants, qui puissent malgré tout continuer à jouer à ces jeux de réflexion. Très bien. J'espère que vous avez bien entendu, parce que j'ai des gros soucis. Plus sur la deuxième partie de ton intervention, la première était un petit peu plus, fallait un peu plus tendre l'oreille. Mais si tu peux conserver ce niveau de son de la deuxième partie de ton intervention, ce serait parfait. Merci D'accord, Laurent. Non, je t'en prie. Une question, alors Olivier, tu l'as évoqué tout à l'heure. En parlant un petit peu des recommandations, parce que bah voilà, année 2020, une année charnière, ça veut dire que les gens s'y intéressent, ça veut dire que des gens font, mais pour faire, il faut pouvoir suivre, au même titre que l'accessibilité des contenus sur une application mobile ou sur un site web, se référer à un certain nombre de règles, et des règles techniques la plupart du temps. Ma question est,
Est-ce que où sont ces recommandations? Existent-elles? Est-ce qu'elles sont gérées par un grand consortium de type W3C? Est-ce que vous avez quelques réponses à m'apporter sur cette question, s'il vous plaît? Alors, sur la question des règles, oui, elles existent. Il y a des gens qui ont fait des travaux très intéressants, notamment un site qui est la référence aujourd'hui, c'est Games Accessibility Guidelines, donc qui est un travail collectif de plusieurs personnes impliquées dans l'accessibilité, notamment les plus en vue aujourd'hui. Donc ça, c'est une référence assez incontournable qui donne en plus quelques exemples dans des jeux de bonnes et de mauvaises pratiques. Ça, c'est intéressant. On a également un travail qui est réalisé par une association qui est très en vue, qui s'appelle Able Gamers, qui a fait un travail assez remarquable pour créer en fait des fiches de conception pour les développeurs de jeux, donc qui est vraiment orienté développement, effectivement. Tout ça, ce sont des choses qui sont très, très opérationnelles, hein. C'est vraiment du pratico-pratique. Après, il n'y a pas de standard à proprement parler. Une des caractéristiques du médium, c'est sa variété, en fait. Il n'y a absolument aucun rapport entre un jeu de Scrabble, par exemple, et Fortnite. Pourtant, tous les deux, ce sont des jeux et tous les deux sont pratiqués éventuellement par les mêmes personnes avec autant de plaisir, avec simplement des plaisirs différents. Mais c'est très, très difficile d'avoir des règles. Enfin, il y en a quelques règles communes, mais après, le simple fait d'avoir un personnage à contrôler versus pas de personnage du tout, dans le cas du Scrabble, par exemple, fait qu'on va avoir des choses qui vont être complètement en fait personnalisées pour le jeu. Donc, on ne peut pas extrapoler toutes les règles à tous les jeux. Et c'est ça qui fait aussi l'intérêt, personnellement, m'attire beaucoup. C'est ce qui fait l'intérêt du médium, c'est qu'à chaque jeu, on va devoir réinventer. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. On voit que des jeux, systématiquement, ont des innovations en termes d'accessibilité, des astuces et techniques qui sont toujours validées hein, par des tests avec des vrais joueurs, des joueurs en situation de handicap. Donc, ce n'est pas du tout... comme ça, des tirs sur la lune, c'est vraiment des choses très, très concrètes. Et l'inventivité dont font preuve les créateurs de jeux, on la retrouve dans l'accessibilité. Ça, c'est vraiment chouette à observer. Donc, au-delà de ça, chaque jeu, on doit réinventer une bonne partie de l'accessibilité. Et, donc, c'est très créatif. Et en attendant, on a effectivement... si on a ces bonnes pratiques-là, on ne peut pas non plus les imposer systématiquement. En tout cas, il faut être sélectif par rapport à ça. Mais il n'y a pas de consortium, non. C'est vraiment, ce sont des initiatives privées, locales, qui ont tendance à migrer chez les studios. Et d'ailleurs, il y a des studios qui créent leurs propres bonnes pratiques. Hein. Les gros studios type Ubisoft, Microsoft ont beaucoup de travaux en interne et qui partagent parfois, d'ailleurs, pour reparler de Naughty Dog, l'éditeur de Last of Us Part 2, une de leurs démarches qui est aussi très intéressante avec l'appui de Sony, c'est qu'ils ont pris le parti de partager leurs résultats, aussi bien en termes de mesures que de solutions. Une des grosses problématiques qu'on a dans le jeu vidéo, c'est de ne pas toujours réinventer la roue. Donc, on a des moteurs de jeu, des outils de développement qui permettent de pré-mâcher, préfabriquer en fait, un certain nombre de fonctionnalités, comme un chat, comme du sous-titrage et autres. Donc, ce qui est intéressant, c'est effectivement de mutualiser les efforts et d'arriver à faire en sorte qu'au fur et à mesure, on ait un certain niveau de standard. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul gros jeu qui sort sans sous-titres, par exemple. Mais on peut toujours améliorer les sous-titres. Donc, l'innovation et l'amélioration se fait dans un certain nombre de domaines, comme par exemple le fait de localiser l'interlocuteur qui parle, le fait d'avoir de la gestion, de personnalisation des sous-titres, des choses comme ça. Eh bien, ce sont là-dessus qu'on va attendre maintenant les gros jeux et pas, on ne se contente plus d'attendre, on n'est plus heureux qu'il y ait des sous-titres, on considère que c'est le minimum, quoi. Donc c'est ça aussi qu'on observe, cette progression vers la barre basse est en train de remonter et ça aussi c'est très encourageant pour la suite puisque les jeux qui ne feront pas ce travail-là seront disqualifiés commercialement et du coup ça motive beaucoup les éditeurs. D'accord, très, très bien. Yannick, je me tourne vers toi, Yannick, Laurent, évidemment, Olivier. Est-ce qu'un jeu qui serait accessible sur console ou sur PC pourrait le serait-il obligatoirement en version mobile? Parce que beaucoup de gens jouent sur leur téléphone, sur leur tablette. Est-ce que c'est obligatoire ou le support est tellement différent que ça n'a aucun rapport?
Compliqué. Enfin, compliqué. Pas compliqué, mais disons que la réponse est que ce n'est pas si simple. Pourquoi pas si simple? Parce que, en fait, pour qu'une, le principe du médium du jeu vidéo, hein, c'est de fournir une expérience à la fois ludique et immersive. Alors, quand je dis immersive, tout de suite, on pense à quelque chose où on se retrouve avec un casque de réalité augmentée sur la tête et où on est dans une bulle. Mais en fait, l'immersion, on peut très bien jouer à un jeu de casse-briques qui soit très immersif. Ce qui signifie, en gros, qui happe le joueur dans un monde, un univers où seul le jeu existe pour décupler l'expérience de jeu et les sensations, les émotions provoquées par ce jeu-là. Parce que ça peut être des émotions de joie, enfin, tout le panel d'émotions possibles humainement. Donc du coup, cette expérience immersive, elle est apportée par la stimulation, on va dire, des différents sens. Donc pour les médiums et pour les jeux vidéo classiques, on parle évidemment du sens visuel, où énormément de choses sont faites au niveau des arts visuels. Il y a énormément de jeux différents avec des styles graphiques différents qui reposent sur des mécaniques de jeu, des mécaniques visuelles aussi qui sont différentes. Pour le public malvoyant et non-voyant, on va avoir davantage du coup quelque chose basé sur l'audio en priorité. Hein, le sens de l'ouïe est effectivement au centre de cette immersion. On va également avoir le sens du toucher qui arrive petit à petit. Alors, c'est encore un petit peu balbutiant à ce niveau, mais on commence à avoir des périphériques tels que justement le périphérique DualSense contrôleur de la PlayStation 5 qui intègre justement des retours haptiques très très fins, des retours qui permettent de ressentir quand on marche sur différentes textures, du bois, du sable, quand on est dans de l'eau, quand on a de la pluie qui nous tombe dessus. Tout ceci fait partie des nouvelles expériences. Et du coup, vu qu'on parle de contrôleur et justement d'entrée, il faut que le joueur soit aussi capable d'interagir avec le jeu d'une manière immersive. Et effectivement, une interaction sur un PC avec un clavier ne va pas être la même qu'une interaction tactile où on va faire des balayages avec un ou plusieurs doigts sur un périphérique tactile type smartphone ou tablette. Par exemple, dans certains jeux, évidemment, donc sur PC, on se retrouve avec des interactions qu'on va qualifier de plus standards, de plus traditionnelles, avec un clavier, potentiellement une souris. Hein, il y a même des jeux audio. Je pense à, par exemple, Toxic, un jeu audio qui permettait de diriger son personnage à la souris et entièrement à la souris. Alors, ça pourrait paraître déroutant parce qu'on se dit, mais nous sommes des handicapés visuels et quid d'utiliser une souris, ça n'a pas de sens. Mais au final, si, ça fait parfaitement sens et c'est parfaitement jouable. Donc, il y a typiquement ce genre de jeu. Et après, sur smartphone, on a des jeux qui utilisent effectivement des balayages. Je pense à un titre très connu qui a fait parler de lui il y a quelques années qui s'appelle A Blind Legend, qui a été créé par Dowino, une entreprise française lyonnaise qui plus est. Enfin, qui plus est, pourquoi qui plus est, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est lyonnaise, hein, c'est un fait. Et du coup, donc, on a des jeux qui exploitent le tactile. On a aussi des jeux qui exploitent d'autres capteurs du smartphone. Il y a certains jeux anglais notamment qui exploitaient le fait que il fallait tourner sur soi-même pour explorer son environnement. Et du coup, on était soit assis sur une chaise capable de tourner, hein, vous savez, les chaises de bureau sur lesquelles on peut tourner sur soi-même, soit debout. Et du coup, en fonction de comment on pointait le smartphone ou la tablette, suivant la direction dans laquelle on pointait, donc ça utilisait l'accéléromètre, le gyroscope et la boussole de ces équipements, et bien l'environnement tournait, on va dire ça comme ça, autour du joueur. Donc il est évident qu'il est primordial pour une expérience et une immersion optimale de prendre en compte le support sur lequel le jeu va être développé, et qu'un développement sur PC ne va pas être forcément le même qu'un développement sur smartphone ou tablette à ce niveau-là.
D'accord. Yannick, justement, je... Pardon, excuse-moi, le... Olivier. Justement, là, je vois le... Oh, pardon, Laurent. Juste, Yannick, on va laisser parler Laurent qui nous rejoint en plus avec la vue, donc super, avec la vidéo. C'était Yannick, je crois que tu avais quelques exemples à nous faire passer, parce que je vois l'heure qui passe. Il nous reste à peu près 7-8 minutes d'échange et après, on aura les questions. Est-ce que tu as quelques éléments à nous faire écouter, sentir, ressentir dans ta hôte du Père Noël là, ou dans ton escarcelle, Yannick? J'ai, bien sûr. Parfait. J'ai plein de choses. Alors, j'ai trois exemples en fait de jeux à vous faire passer, qui sont les trois titres qui ont un petit peu vraiment marqué le paysage du jeu accessible ces dernières années. Le premier, c'est un jeu qui s'appelle Eurofly. On va l'entendre maintenant. Un jeu de simulation de pilote de ligne. On est ici dans un Boeing 747 qui est prêt au décollage. On entend ici qu'on dialogue avec la tour de contrôle qui va nous attendre, qui va nous demander. On entend aussi des indications sonores. Ce petit bip sonore nous indique notre alignement par rapport à la piste de décollage. Et on vient d'entendre ici l'autorisation que nous avons de décoller. 29. Bordeaux, Hop 55, Papa Mike, bonjour, descend 200, Wagner. 55, Papa Mike, bonjour, descendez niveau 150, unité 5-0 sur Wagner. Et du coup, nous avons la possibilité de décoller. Et on voit ici une bonne interaction entre à la fois le lecteur d'écran, 0, 0, matérialisé par les chiffres ici. 0, 0. 6, 14. Et aussi par les sons du jeu. 14, à monter en vous dirigeant vers l'ouest. 11, 25, 274. Désactivé. Décollage. Voilà, donc ça, c'était le premier jeu. Je salue ici une énorme collaboration française, hein, puisque ce jeu est au départ slovaque. Et il a été traduit par des volontaires français qui ont passé un temps... extrêmement important, hein, plus d'une centaine d'heures, pour enregistrer justement toutes les voies de communication, des tours de contrôle, etc., dans un réalisme, ma foi, assez intéressant. J'ai envie de dire ça comme ça. Le deuxième jeu dont je vais parler rapidement, c'est un jeu japonais, ce coup-ci, dont j'ai beaucoup, peut-être trop parlé sur ces CCTech. Un jeu d'aventure-action où là, on se retrouve aux commandes d'un héros ou de plusieurs héros qui vont permettre de se déplacer dans un endroit vu de dessus. Alors, on se plonge tout de suite dans une scène d'action où il va falloir dégommer des ennemis. Et donc ici, on joue sur la stéréo pour savoir où se situent les objets. Voilà, tous les ennemis ont été vaincus dans cette salle. Et du coup, on joue ici sur la stéréo pour savoir où se trouvent les objets et où se trouvent les différents obstacles. Avec différentes interactions possibles dans ce jeu. On va le voir maintenant. On peut par exemple abattre des ennemis de loin. En lançant des flèches. Voilà, donc ça c'était un jeu japonais qui s'appelle Shadowrun, qui montre effectivement ici que le lecteur d'écran n'est que peu présent, vraiment peu. On peut l'avoir avec quelques retours d'informations, mais c'est vraiment très sommaire. Là, c'est vraiment le design du jeu qui, comment dirais-je, permet de s'orienter, et c'est vraiment les développeurs du jeu qui ont fait un boulot énorme pour faire en sorte que ce jeu soit accessible. Je termine très rapidement avec le dernier. Oui, très rapidement, parce que je voudrais passer la parole un petit peu à Laurent. Bien sûr, je fais très vite. Très bien, rapidement, le dernier qui s'appelle A Hero's Call, qui est un jeu anglais également, d'aventure, un jeu de rôle, qui lui, par contre,
On a beaucoup plus de choses avec le lecteur d'écran ici et on a énormément de bip bip. De Nord Sao Trodin, Grand Bleu 2, ARG 3, 5, Bandit Cache 5. Voilà, et j'ai pas besoin d'en diffuser plus, juste pour indiquer qu'ici, on est dans un jeu qui a pris le parti de matérialiser l'accessibilité par des aides supplémentaires avec des bips dans tous les sens, ce qui parfois peut être un tout petit peu déroutant. Pourquoi ? Bah parce que ça nécessite une petite courbe d'apprentissage pour apprendre les sons avant de pouvoir prendre du plaisir dans ce type de jeu. Très bien, ben merci Yannick, c'était excellent, ça donne envie. Hein. Laurent, lors de la préparation, toi tu es développeur, tu es concepteur de solutions de jeu, notamment avec les mots j'écoute. Et je voulais savoir un petit peu, pour que tu puisses nous exposer un petit peu quelles ont pu être un petit peu les difficultés de pouvoir travailler sur un support Android, voire un support Apple, notamment quand on fait appel à une interaction avec la voix. Est-ce que tu as des choses à nous dire dessus, s'il te plaît ? Oui, alors c'est la particularité, justement, comme on en parlait tout à l'heure, de développer sur tout ce qui est smartphone et tablette. La reconnaissance vocale est le point fort de ces outils, qui est beaucoup moins présente, plus complexe si on veut jouer sur un PC. J'en profite pour dire aussi que l'intérêt de développer sur des smartphones, des tablettes pour l'avenir, ça sera le tout ce qui est senseur de mouvement. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de liberté dans les développements à venir sur des appareils comme les smartphones pour faire beaucoup plus de ressentis aux non-voyants quand ils vont rentrer dans un monde virtuel. Ça, c'était la parenthèse. Et ensuite, ce que tu vous dites est vrai. Dans le développement, le point qui était le plus critique, c'est la reconnaissance vocale. Développé sur Android et en parallèle sur Apple avec des difficultés différentes. Et en effet, ce n'est pas transférable directement. Il y a du codage à mettre en place pour transférer d'un Android à un Apple. Et la reconnaissance vocale n'a pas exactement le même fonctionnement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est dans ces développements vraiment voulant axer sur le pilotage vocal, c'est le point qui aura sûrement des améliorations à venir, notamment en termes de vocabulaire, de reconnaissance vocale par rapport à des accents, par rapport à des pays. Le jeu dont j'ai développé est également en anglais. Et c'est vrai que suivant les pays où vous allez aller, vous n'avez pas la même prononciation. Les reconnaissances vocales n'ont pas encore la performance optimale pour arriver à être fluent, à être facile d'utilisation pour l'ensemble des personnes concernées dans tous les pays. Donc c'est vrai que c'est le point fort des smartphones et tablettes, mais aussi le point à améliorer dans l'avenir pour être de plus en plus performant. Merci Laurent, merci beaucoup pour ton intervention. Alors, juste en deux minutes, plein de questions, et après on laisse la parole aux auditeurs pour poser des questions. Est-ce qu'il y a encore des limites techniques, fonctionnelles qui font que certains jeux pourront jamais être accessibles ? C'est une première question. Est-ce qu'il y a encore des éditeurs qui font de la résistance par rapport à tout ce que vous avez pu dire sur maintenant ils s'y mettent, ils ont compris, il y a du business. Est-ce qu'il y en a encore qui traînent des pieds ? Et finalement, la dernière question, c'est, allez, c'est Noël. On sait que le marché des jeux vidéo va exploser encore cette année. Donnez un top 3 de vos meilleurs titres chacun, ou en tout cas les espoirs que vous pouvez fonder pour l'avenir. On espère un avenir immédiat pour l'accessibilité des jeux pour tous. Voilà. Qui commence ? Bien, tu veux quelle question particulièrement ? Ce qui avait plusieurs... Alors, un éditeur qui, des éditeurs qui font D'accord. encore quelques limites, les impossibilités pour l'instant au moins à 5 ans, et toi, ce que tu pourrais recommander comme jeu vraiment intéressant pour les personnes qui ne voient pas ou qui voient mal. D'accord. Des éditeurs qui freinent, en tout cas, il y en a qui communiquent très mal sur leur accessibilité, et en général, c'est un mauvais indice. On commence à prendre l'habitude d'avoir aujourd'hui des trailers qui sont audio décrits chez Ubisoft, par exemple, des présentations du catalogue qui sont avec un interprète en langue des signes, alors pour l'instant américaine, puisque c'est plutôt le marché, mais c'est quand même intéressant. Toutes les vidéos maintenant de promotion sont sous-titrées quasiment. Et puis, par exemple, le jeu qui est le plus attendu cette année, qui s'appelle Cyberpunk 2077, si vous n'avez pas entendu parler, c'est qu'il y a un problème, vous ne devez pas être beaucoup connecté. On en parle partout, il sort dans deux jours. Et bon, contrairement aux bonnes habitudes prises par les éditeurs, les influenceurs dans le domaine de l'accessibilité n'ont pas reçu de code en avant-première, contrairement à d'autres commentateurs donc, qui ont reçu le jeu il y a une semaine et qui ont eu le temps de l'analyser. Donc ça, ce n'est pas très bon signe. On est assez inquiet dans la communauté par rapport à ce jeu.
bon, c'est pas très étonnant de la part de cet éditeur qui, pour l'instant, n'a pas fait de gros efforts, malheureusement, pour l'accessibilité. On a aussi Nintendo qui ne communique pas très bien, même s'il y a des choses qui sont intéressantes sur la Switch. Hein. Et les jeux sont souvent conçus pour être jouables par un plus large public possible, y compris les enfants. Donc, avec beaucoup de... Le gros intérêt, c'est qu'on va avoir effectivement des formes très bien marquées, on va avoir une difficulté progressive qui va s'adapter au niveau du joueur, choses comme ça. Donc, ça intéresse aussi l'accessibilité. Mais Nintendo communique très mal dessus, et c'est un peu dommage. Sinon, est-ce qu'il y a des domaines qui ne sont pas accessibles? J'aurais peut-être une réponse différente il y a quelques mois, mais avec The Last of Us Part II, on a prouvé qu'on pouvait faire un jeu immersif en 3D, d'exploration, en prenant la peine de comprendre les besoins des joueurs. On arrive à effectivement faire des expériences de jeu qui sont à la fois captivantes et accessibles, même si c'est une façon différente de faire, même si c'est entièrement audio, alors que c'est un univers a priori très visuel, et d'ailleurs très 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 loué pour sa qualité visuelle, donc comme quoi c'est pas incompatible. Et puis sur un top 3, c'est difficile à dire parce que après, ça dépend énormément des goûts de chacun. On peut être buté par l'aspect... C'est un jeu, un survival. C'est un jeu où on doit survivre dans un monde de zombies. Donc, pas forcément agréable. Surtout en ce moment, c'est des sujets qu'on a forcément envie d'aborder. Mais bon, après, ça dépend vraiment des goûts de chacun. Si on aime le sport, on peut trouver des jeux de sport qui sont relativement accessibles, que ce soit dans le niveau du foot ou du basket. Si on aime les jeux d'aventure, on a des jeux comme effectivement Last of Us Part II, mais également Assassin's Creed Valhalla qui est très bien coté, Watch Dogs Legends qui est très bien coté également. Ce sont des jeux qui sont remarqués et remarquables. C'est des titres qui est intéressant d'explorer. Chez les éditeurs, on a effectivement Sony qui fait de gros efforts donc, pour les jeux sous leur bannière et Ubisoft qui est vraiment un des leaders dans le domaine. J'ai oublié de citer Square Enix qui est notamment producteur de Final Fantasy, de Marvel Avengers, qui ont des gros, gros titres, hein. C'est un très très gros éditeur. Et ça, franchement, tout ce que fait Microsoft aussi, tout ce que Microsoft passe au crible de l'accessibilité désormais. Donc c'est vraiment des choses, on peut y aller en confiance et je vous invite à aller voir surtout. Alors c'est beaucoup de sites anglais, en anglais, pardon, des sites américains essentiellement, canadiens. Mais il y a beaucoup de revues de jeux vidéo aujourd'hui orientées à accessibilité, vraiment dédiées à accessibilité, y compris dédiées à la déficience visuelle. Donc je pense qu'on a les moyens, même s'il faut chercher un peu, il faut quand même bien parler anglais, on a les moyens de trouver les informations et j'espère qu'à l'avenir, on aura des informations de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide à la fois le package et les sites de vente des éditeurs. En tout cas, nous, on y travaille, on aimerait que ça se fasse. Très bien, merci beaucoup, Olivier. Laurent, est-ce que tu as un petit... Dans les jeux cités, je pense qu'il y en a eu un certain nombre qui sont les principaux sérieux aujourd'hui. Moi, je vais juste rajouter que pour les jeux type ceux que je développe, il y a beaucoup moins de solutions accessibles. Donc, ce ne sont plus des jeux de 3D comme on vient d'entendre, hein, qui sont, on va dire, les principaux utilisés par le maximum de population. Mais en effet, pour tout ce qui est jeux de réflexion, j'ai beau chercher depuis maintenant un an, et c'est pour ça que j'ai développé cette application, il n'y a pas énormément d'applications 100% accessibles, en effet, à part ce fameux Mojeco de Word Speaking. Et je sais qu'il y a des volontés de l'obtenir, mais comme ce sont des niches, je pense qu'il faut arriver, et c'est la tendance du moment, à avoir de plus en plus de gros développeurs qui s'attachent à également développer des jeux un peu plus... pour personnes d'un âge avancé, on va dire, ou en tout cas pour des jeux de réflexion, voilà, un peu plus calme, peut-être pas avec du 3D, des grandes technologies, mais je pense que c'est un besoin qu'il faut combler. Donc, si vous nous avez cité des jeux aujourd'hui, à part celui que je vous ai développé, je n'en connais pas accessible à 100%, sauf avoir des lecteurs sur les PC qui permettent de transcrire tout ce qui est affiché, évidemment, qui est une option que beaucoup de malvoyants et non-voyants utilisent. Mais parler de jeux développés spécialement pour être fonctionnel à 100% en autonomie, il y a encore des choses à faire. Très bien, merci. Mais pour Noël, il y a au moins, moi j'écoute, pour ceux qui sont intéressés, oui, au moins. Forcément. Évidemment. Non, je me le permets de le dire, si vous me le permettez. Bien sûr, bien sûr. Merci Laurent. Yannick, en une minute et demie, après on passe aux questions. Les limites fonctionnelles que tu perçois, et puis ton top 3 de tes jeux. Allô Yannick. Ah, le voilà. Oui, quand on est muet, ça marche moins bien. Pas de limite
ça viendra dans les années futures, mais pas, enfin, ça viendra pas de limite, mais voilà, toutes les limites sont en train d'être abrogées, donc on ne devrait plus avoir de problème à ce niveau-là, je pense. Si ce n'est qu'il faut que certains éditeurs comme Nintendo commencent à réagir un petit peu, mais hormis ça, effectivement, pas de limite. Une toute petite mise en garde pour ceux qui seraient tentés de jouer à The Last of Us Part 2. C'est un jeu qui est disponible à la fois sur PlayStation 4 et PlayStation 5, mais la PlayStation 4, dans sa version européenne, n'intègre pas de lecteur d'écran. Donc vous seriez tenté de prendre la PlayStation 4 parce que moins cher. Toutefois, attention, pour le futur, vous risqueriez d'être un petit peu déçu et on va dire contraint par ce manque de lecteur d'écran de Sony sur cette console de précédente génération. Mon top 3, difficile à dire, il y en a vraiment beaucoup. Je pense que, toujours pareil, comme disait Olivier, Eurofly, simulateur de vol, une énorme durée de vie. La carrière peut durer des centaines d'heures pour arriver à faire l'intégralité des missions, plus toutes les missions additionnelles. C'est vraiment beaucoup. Et ensuite, en jeu d'aventure, eh bien, j'aurais tendance à conseiller Shadowlin, pareil, un jeu d'aventure action dans le plus pur style de ce qu'a pu nous proposer Nintendo via sa franchise de Zelda. Donc vraiment un jeu à la fois complet, très complexe, avec une durée de vie aussi très très importante. On parle de plus d'une centaine d'heures également. Et puis le troisième, j'ai pas d'idée, donc du coup je vais en citer deux. Je vais citer Crazy Party, qui est un petit jeu, un jeu de mini-jeux, dont le principe est de faire tout un tas de petites parties de plein de mini-jeux j'ai envie de dire à la noix. Donc c'est des petits jeux, faut ramasser des fleurs, faut compter des moutons, faut rentrer des chèvres, faut faire, enfin là, tout un tas de petites choses comme ça, pareil, très intéressant. Et puis le dernier jeu que je voulais citer, bah, je l'ai oublié, donc c'est qu'il devait pas être si bien que ça. D'accord, bah écoute, merci Yannick, merci beaucoup. Je propose à Pascal Lisel de reprendre la parole, savoir s'il y a quelques questions, ou même de ta part, de la part de nos auditeurs, concernant cette problématique de l'accessibilité dans les jeux. Alors oui, il y a pas mal de questions, et pour ma part, ça m'a fait plaisir d'entendre tout ça, c'était très intéressant, et ça m'a rajeuni, parce qu'en fait, dans les années 95, ceux d'entre vous qui étaient déjà nés s'en souviendront peut-être, nous avions eu le premier jeu qui avait été développé par Frédéric Aguilar, qui s'était inspiré de Doom et qui s'appelait Trax. Donc je ne sais pas si certains s'en souviennent. Et à cette occasion, nous avons découvert que bien qu'aveugle et accroché à nos claviers, on pouvait jouer avec une souris. Et je peux vous promettre que 25 ans après, j'ai encore dans les oreilles les sons des bestioles qu'on chassait, des trésors qu'on attrapait. Donc c'était le début. Et même si moi, je ne suis pas moi-même une grande joueuse vidéo, c'est le moins qu'on puisse dire, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, dans les questions, beaucoup des questions qui sont arrivées concernent le fait qu'effectivement, on ne sait pas où trouver toutes ces ressources. Donc, entre autres, j'ai quelqu'un qui m'a dit « Mais est-ce qu'on peut l'avoir, la liste des 790 références que Yannick a recensées ?» Donc, est-ce qu'il y aura… Alors, j'ai aussi une question qui, justement, est posée la même, enfin, rejoint cette question à propos de la rediffusion de toutes les séances. Donc, peut-être que vous pouvez répondre à la fois aux deux choses, c'est-à-dire est-ce que toutes les tables rondes auxquelles on assiste seront disponibles en replay, d'une part, et d'autre part, pour tous les jeux, où trouver toutes ces informations sur les jeux existants ? Alors, moi, je peux répondre, oui, il y aura un replay, notamment un replay YouTube. Donc tout est enregistré, tout sera basculé sur YouTube et ce sera même séquencé. Ça, c'est la première réponse. La deuxième, c'est on a dans le chat des spectateurs, Olivier et les intervenants qui ont mis beaucoup, beaucoup de références, de liens, de noms de jeux. Je vois la dernière pouvait redonner les noms des jeux qui viennent d'être cités. Alors oui, le top 3 notamment de nos intervenants, peut-être que Olivier, tu peux les remettre rapidement dans le chat si tu as la possibilité. Yannick, pareil. Donc oui, on donnera de toute façon ces informations. Voilà, oui, je pense qu'il y a vraiment une grande demande à ce niveau-là, donc, parce qu'effectivement, on entend beaucoup de choses, mais après, on ne sait pas trop où le retrouver. J'ai eu aussi une question de Nicolas, qui, si je comprends bien, a dû perdre la vue récemment, et qui nous demande si on pourrait lui conseiller des jeux qui lui permettraient de jouer sur ordinateur avec son fils.
Alors, oui, il y a des... on va trouver notamment sur un site qui s'appelle Taming Gaming, qui est fait en fait par un père de famille à la base pour un peu évaluer les jeux par rapport à ce qu'on peut faire avec les enfants, et notamment en décrivant des thématiques, en décrivant des caractéristiques de jeux, qui a rajouté assez récemment une section accessibilité qui s'est développée énormément, et on a aujourd'hui 5000 critères d'accessibilité qui ont été évalués sur plusieurs centaines de jeux. Donc, il y a vraiment beaucoup à faire. Alors, c'est toujours en anglais, je suis vraiment désolé pour ça. C'est un peu la loi du genre. Mais on a la possibilité, effectivement, d'avoir ce type d'information. Après, je pense qu'il ne faut, faut pas hésiter à contacter les éditeurs pour savoir où ils en sont. Alors, il y en a beaucoup. Après, il y en a qui sont présents sur Twitter et c'est peut-être plus facile de les contacter avec ce type d'information. Ce qui est intéressant dans le fait de contacter les gens directement et de manière publique sur les réseaux sociaux, c'est que ça crée de l'intérêt aussi, parce qu'il y a énormément de gens dans le grand public qui n'ont absolument pas conscience de la possibilité de jouer quand on est aveugle ou déficient visuel. Également, mais je crois même que dans la communauté d'ailleurs, que des personnes aveugles et malvoyantes, cette notion n'est pas forcément connue, et on le voit, je crois, avec les questions et l'intérêt des gens dans cette session, que on n'a pas forcément conscience de tout ce qui existe. Et c'est bien d'en faire parler, c'est bien de solliciter les éditeurs. On en est à là, c'est pas comme sur le web aujourd'hui, c'est dans la loi et puis on n'en parle plus. Mais il faut le faire savoir, il faut motiver les éditeurs effectivement à faire des efforts vers des communautés qui sont délaissées dans le domaine du jeu jusqu'à présent, et de moins en moins, et tant mieux pour tout le monde. Je pense qu'en fait, pendant très longtemps, l'outil informatique a été considéré par les déficients visuels eux-mêmes, justement comme un outil pour travailler, pour être plus autonome, pour s'informer, pour se cultiver, et pas forcément spontanément pour jouer. Donc, c'est très bien que ça change. Alors, j'ai d'ailleurs, pour aller dans ce sens-là, j'ai quand même eu une question qui est, avez-vous réellement connaissance de joueurs DV de haut niveau ? Oui, celui. Est-ce que c'est un mythe, voilà, ou est-ce non, c'est réellement. C'est vraiment... voilà. Donc il y en a un qui est connu, qui est Sightless Combat, combat avec un K. Sightless comme sans vue, qui est effectivement pas du tout voyant. Et combat avec un K parce qu'il y a un jeu qui s'appelle Mortal Kombat et lui c'est un spécialiste de ce jeu. Alors il est très impressionnant parce que quand on observe les vidéos, en fait, on peut pas deviner du tout son handicap. Tellement il est performant. Alors, on voit bien qu'il y a une hésitation au début, son personnage s'en prend un petit peu plein la tête au début, mais rapidement, il retourne la situation, et grâce à son anticipation par rapport au son qu'il entend, il arrive à vraiment surperformer, et il remporte des championnats. Il y a aussi des gens qui ont atteint des niveaux très très élevés, qui ont gagné des tournois au niveau mondial, sur des jeux comme Street Fighter, par exemple. D'accord. Donc ça existe. Ça existe. Puis après, voilà. Et puis il y a aussi, je dirais, et c'est beaucoup plus intéressant, réjouissant, j'allais dire, des gens qui sont des joueurs moyens, mais qui sont des passionnés de jeu et qui sont des créateurs de contenu très intéressants. Je pense notamment à Steve Saylor, qui a acquis une petite notoriété en fait en découvrant le jeu The Last of Us Part 2, et donc quelqu'un qui est très enjoué, un Canadien très enjoué, très il s'appelle The Blind Gamer sur YouTube, j'ai mis le lien vers son channel. Et en découvrant en fait le menu, il a commencé à pleurer en fait, il n'a pas pu se retenir de pleurer de joie. Et ça a beaucoup ému un peu partout d'ailleurs, et il est passé sur CNN, il est passé sur le site de la BBC. Et maintenant, il est devenu ambassadeur pour Xbox. De par justement cette notoriété qu'il a acquise cette année. Et c'est quelqu'un, j'ai eu la chance de converser avec lui, c'est quelqu'un de super, super agréable, super sympa, très enthousiaste, et il prouve qu'on peut être un joueur moyen, aveugle, et faire des contenus intéressants et qui donnent envie de jouer également au jeu qu'il a aimé. Quoi. Et dans les... Ce que vous disiez, juste, il faut vraiment communiquer au maximum, Yann. Tout le monde n'a pas vraiment l'information qu'on peut réellement, quand on est non-voyant, utiliser l'ordinateur ou les tablettes et les smartphones pour vraiment jouer aussi bien qu'un voyant. Et ça, les gens n'ont pas forcément l'information, vous avez raison.
Et plus on échangera sur les réseaux, plus les personnes concernées oseront les bonnes questions et oseront échanger sur ce sujet, plus le message s'agrandira et il est évident qu'il y a de plus en plus de solutions qu'il faut communiquer. C'est un point important pour avancer. Merci Laurent. Alors Pascal, il est… J'ai le temps pour deux petites dernières questions. 1h34, on se laisse jusqu'à 35, donc c'est très vite. Mais je parle déjà vite. Alors, donc j'ai Marina qui nous demande s'il existe un jeu qui permettrait d'apprendre le braille, comme braille AC, que je ne connais pas, mais qui serait en français. Pas à ma connaissance, malheureusement. Ceci dit, ça peut être une idée de développement pour le futur. Et ben pour terminer, moi j'avais une question sur Moj Écoute. Donc si j'ai bien tout entendu, l'interface vocale est une interface propriétaire, donc on n'utilise pas le lecteur d'écran. Du coup, j'en conclus qu'on ne peut pas jouer en braille. Est-ce que Laurent peut me le confirmer ? Actuellement, tout à fait. Actuellement, on joue à 100% avec la voix. On échange avec le jeu via la tablette ou le téléphone, mais on ne peut pas jouer en braille pour l'instant, en effet. Et c'est quelque chose à quoi vous pensez ou pas ? Alors, d'autant plus que des demandes sont faites pour transférer ce jeu sur PC également. Alors, en effet, ce sera un codage différent et une approche différente du jeu, puisqu'il n'y aura plus le côté tactile, comme on le disait tout à l'heure. Mais dans ce cadre-là, en effet, on pourra rajouter la fonction. C'est-à-dire qu'en fait, on peut jouer avec VoiceOver, par exemple, on peut jouer en braille tout en ayant le vocal, mais c'est sûr que c'est VoiceOver qui gère l'échange entre… Aujourd'hui. Absolument. Aujourd'hui, le jeu, même VoiceOver, vous devez le couper. C'est-à-dire qu'en fait, tout est piloté par le jeu en lui-même avec un plugin de reconnaissance vocale, mais VoiceOver ne peut pas interférer avec le jeu, comme beaucoup de jeux d'ailleurs. VoiceOver permet de guider l'ensemble de vos actions sur le téléphone pour ouvrir l'application. Une fois que l'application est ouverte, il faut couper VoiceOver et vous avez un pilotage déjà intégré. OK. C'est les évolutions à venir, en effet. Moi qui suis brailliste intégriste, ça m'attriste un peu, mais je vais attendre. Et je note et on va y travailler. Merci Pascal, merci. Là on est un petit peu pressé par le temps, je pense qu'on pourrait rajouter une deuxième heure, mais c'est pas dans cette session-là. Donc je vais remercier vraiment Olivier, Laurent, Yannick, Pascal pour avoir participé, enrichi ce contenu. Je pense que c'était particulièrement intéressant, enrichissant. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas de limite, m'a dit Yannick. Il y a plein d'espoir, m'a dit Olivier. C'est évolutif, nous dit Laurent. Donc, moi, j'ai envie de vous dire vivement 2021 et qu'on puisse tirer d'autres conclusions. Donc, j'ai envie de vous redonner rendez-vous l'année prochaine. Je vous remercie vraiment tous les trois et évidemment Pascal pour avoir fédéré les questions et les poser. Et je vous dis à très bientôt. Juste un petit mot. Le replay pour répondre à la dame qui posait la question, il y aura aussi la partie transcription, c'est-à-dire que toutes les terminologies en anglais, les liens, les références pourront être retrouvées de manière textuelle et ce sera peut-être plus facile pour l'appropriation. Voilà, je vous remercie. On va passer à la suite avec la session d'après avec nos collègues du CERTAM et les nouvelles fonctionnalités de leur site. Merci messieurs, dames. Merci. À très bientôt, au revoir. Merci, au revoir. On va enchaîner avec donc j'ai le plaisir d'accueillir avec un petit peu de retard, vraiment mille excuses messieurs, la session d'après les nouvelles fonctionnalités du nouveau site et du futur site du CERTAM, le centre d'expertise pour la déficience visuelle de la VAH. J'ai le plaisir d'accueillir Manuel Pereira et Jean-Pierre Carpanini pour nous expliciter un petit peu tout ça. On sait que le CERTAM, c'est une initiative qui date de 2008, que vous avez une réflexion, messieurs, de modifier les choses, enrichir les choses, changer un petit peu les choses depuis une grosse année. Vous avez travaillé d'arrache-pied et on est évidemment impatients de savoir ce qu'on va découvrir très bientôt sur le futur nouveau, enfin vraiment la nouvelle interface qui devrait bientôt paraître. Messieurs, je vais vous laisser la parole. On a jusqu'à, on se laisse une 20 minutes de présentation et on laissera les questions aux auditeurs dans la suite. Messieurs, je vous laisse vous présenter et nous présenter tout ça. Merci. Bonjour à tous, je suis donc Manuel Pereira, je suis responsable du pôle accessibilité numérique à la VH et dans ce pôle, on a bien évidemment le CERTAM. Et donc, on voudrait d'abord vous remercier de nous avoir conviés pour vous présenter le futur nouveau site du CERTAM en avant-première.
Vous allez voir qu'il y a pas mal de changements. On a essayé de vraiment faire en sorte que ce site fasse point neuf et qu'il soit le plus possible tourné vers les personnes pour lesquelles on essaye de travailler, que ce soit les professionnels du secteur du handicap visuel, mais également forcément les personnes directement concernées. Je vais laisser Jean-Pierre se présenter, puis je vous dirai quelques mots. Oui, bonjour, Jean-Pierre Carpanini. Donc, je suis chargé des évaluations, notamment pour les personnes malvoyantes au sein du CERTAM. Je travaille sous la responsabilité de Manuel Pereira et on s'occupe depuis peu aussi d'accessibilité des contenus et des sites web, côté usage, hein, tout comme les évaluations. Ces évaluations se font côté usager et non pas technique, hein, on n'est pas un laboratoire d'analyse de produits, donc on est plutôt orienté côté usager. Voilà, je vais repasser la parole à Manuel. Alors, très rapidement, pour vous resituer les choses, donc comme vous le savez, il y avait un site, hein, il y a toujours un site qui s'appelle certam-avh.com, qui a été développé en 2009 et qui a été lancé en 2010, et ce site, il retrace l'ensemble des travaux du CERTAM en termes de veille, mais également de publication de fiches d'évaluation qui, comme vous le savez, sont publiées en Creative Commons. L'association Valentin Huy a décidé d'élargir le spectre des activités du CERTAM en 2016 à l'accessibilité numérique et donc à l'accessibilité des applications mobiles et des sites internet, et donc on s'est efforcé depuis de prendre en compte ces nouvelles orientations, et il nous est apparu très rapidement évident qu'il fallait que notre site web corresponde également à ces nouvelles orientations, tout en préservant l'activité historique du CERTAM. Et donc on s'est mis au travail, et depuis un an maintenant, pour essayer de développer un site qui prenne en compte ces deux variables, avec une obligation qui pour nous était évidente, mais ce n'est pas forcément toujours très simple quand on développe des sites, c'était qu'il fallait que la partie administration du site, donc back office, soit également utilisable par des personnes déficientes visuelles, comme c'était déjà le cas sur la précédente version de notre site. Et tout ça, ça nous a conduit à développer donc un nouveau site avec, Jean-Pierre va vous présenter ça, des fiches d'évaluation qui sont présentées différemment et on l'espère qui vous permettront d'aller beaucoup plus vite dans vos consultations. Et puis, un outil d'enquête qu'on va vous présenter qui pour nous est très important pour essayer d'avoir le plus de métriques possible sur l'ensemble de nos activités et surtout autour de l'accessibilité numérique. Et je pense qu'aujourd'hui, on est tous bien placés pour savoir qu'on manque cruellement de données statistiques. Et l'objectif de cet outil va être de fournir à tous, à toutes les associations, mais également au pouvoir public, des métriques sur l'accessibilité numérique. Donc, je laisse la parole à Jean-Pierre qui va vous présenter un petit peu ce nouveau site et les nouveautés qu'on apporte. Oui, alors je vais essayer de vous faire un petit partage d'écran. Je ne sais pas si Denis doit agir à ce niveau-là ou est-ce que chacun voit mon écran ? C'est parfait. C'est parfait. Donc le nouveau, pour l'instant, évidemment, le site n'a pas encore été mis en ligne. On est sur une version de pré-production. La sortie officielle du site est prévue pour fin janvier 2021. Comme l'indiquait Manuel, on reprend en fait l'historique de ce qui était publié auparavant sur le site du CERTAM, donc aussi bien les dossiers thématiques que les actualités et les évaluations de produits, qui sont un des gros aspects de notre travail. Donc, évaluation de produits, c'est les solutions qui sont utilisables par les personnes déficientes visuelles, donc aussi bien matériel que logiciel. Et on rajoute à tout ça, évidemment, une des nouvelles thématiques du CERTAM, qui est l'accessibilité des sites web et des contenus. Donc, je vais vous montrer déjà la partie évaluation, puisque c'est un des éléments
qui a un petit peu changé par rapport à ce que l'on faisait jusqu'à présent. Je vais vous montrer une évaluation qu'on a rentrée à titre d'exemple sur l'application Sing AI de Microsoft. Donc, c'est une application iOS développée par Microsoft, par une personne non-voyante et qui permet d'avoir un contrôle de son environnement. Donc voilà, lorsque je lance l'affichage de cette évaluation, on a l'essentiel qui apparaît en premier lieu, donc l'essentiel avec une image évidemment de l'application, et puis un petit descriptif assez rapide, ce qu'on pourrait un petit peu équivalent au chapeau, ce qu'on appelait le chapeau sur l'ancienne version, décrivant très très brièvement en quelques lignes l'application, le fabricant qui est indiqué. Donc on va également pouvoir avoir ces coordonnées précises, c'était déjà le cas auparavant, mais là on a un petit peu plus de, on a une fiche un peu plus renseignée sur le fabricant, notamment avec une carte de localisation qui est sur la gauche, le prix et puis la version bien évidemment. Donc ça, ce sont les premiers éléments. Si on descend un petit peu plus loin dans cette, on a une présentation plus détaillée. Et puis une notation. Donc la notation, c'était quelque chose qui n'était pas mis en place lors de la précédente version. Donc il l'est maintenant. Donc cette notation, en fait, c'est une moyenne qui est faite entre plusieurs sous-notes. Donc ces sous-notes sont, pour ce qui concerne l'application Sing AI, la pertinence, l'intérêt du produit, les performances, les ressources. Si on veut avoir un peu plus de précision sur ces sous-notes, on a un petit bouton d'information qui va nous donner en fait le rôle de ces sous-notes. Voilà les caractéristiques générales du produit. Donc, on va avoir les principales caractéristiques, une quinzaine. Si on veut avoir l'ensemble des caractéristiques, donc quelque chose de plus complet, on l'aura sur la partie évaluation, mais on ne l'a pas directement sur le premier affichage. Enfin, on a la possibilité d'inclure des médias. Donc là, en l'occurrence, une petite vidéo via un lecteur qui est accessible. Donc ici, par exemple, on va pouvoir décrire les fonctionnalités de l'application. Donc je vais juste lancer. Avec évidemment une transcription du média. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris le lecteur Able Player, qui est, en termes d'accessibilité, de notre point de vue, ce qui se fait aujourd'hui de mieux. Et donc, on l'a intégré directement sur notre site web, nouveau site web. Alors, d'un point de vue technique, en fait, les contenus médias, notamment vidéo, ne sont pas stockés directement sur le serveur du site. On a une chaîne YouTube. Donc, les vidéos sont accessibles également sur YouTube. Et on a ce fameux lecteur accessible qui permet d'interroger la vidéo qui est stockée sur YouTube. Donc, la volonté qu'on a là, par rapport à la démarche initiale du CERTAM, c'est d'intégrer à nos fiches d'évaluation davantage de multimédia lorsque ça sera possible. Voilà, en dernier lieu, donc, ce qu'on appelait auparavant la conclusion, qui s'appelle maintenant l'avis du CERTAM, et ça revient à peu près au même, c'est une conclusion sur l'évaluation qui a été faite du produit. Et enfin, les principaux points forts et points faibles qui apparaissent juste en dessous. Donc là aussi, on ne les a pas tous. On pourra en avoir plus, effectivement, sur la partie navigation dans la fiche d'évaluation. On a les principaux points forts et les principaux points faibles. Donc tout ça pour dire qu'en fait sur la fiche d'évaluation, on a une vision synthétique de l'évaluation qui a été faite du produit. Et si on veut quelque chose de plus complet, on pourra l'avoir via le sommaire. Donc notamment l'évaluation complète et ce qu'on appelle un focus d'utilisation pour aller plus loin dans l'utilisation du. Donc ça, c'est la première partie. Juste une petite remarque, Jean-Pierre, c'est que je ne sais pas si vous vous rendez compte à l'écran, alors pour les gens qui ne voient pas forcément non, mais pour les gens qui voient, c'est qu'on a décidé d'opter pour la police Luciole sur ce site pour faciliter un petit peu la lecture par les personnes malvoyantes.
C'était facile de travailler avec la police Luciole, tout le monde était... Alors, ça a suscité pas mal de débats. Voilà, c'est intéressant. Ça a suscité pas mal de débats en interne. Après, il a fallu faire des arbitrages et au niveau de l'équipe, on a échangé entre nous et on a décidé de partir sur cette police-là parce que ça nous semble important de pouvoir valoriser un travail qui a été fait et de contribuer à ce que ce travail soit mieux diffusé. Et il nous est apparu que cette police-là, elle remplissait parfaitement son rôle. Très bien, merci. Voilà, donc ça, c'est la première partie qui concerne donc les évaluations de produits, telles qu'on pouvait les faire auparavant, mais avec une refonte un peu sur la présentation et sur la façon dont l'information est synthétisée au lecteur. On a un deuxième aspect qui n'était pas du tout traité via le précédent site, qui concerne les enquêtes. Alors, les enquêtes, c'est quoi ? C'est offrir la possibilité d'interroger les utilisateurs déficients visuels sur l'usage des contenus ou du web, des contenus web ou du web en lui-même. Donc là, en l'occurrence, on a rentré une enquête une enquête utilisateur sur les habitudes d'achat en ligne, hein, une enquête qu'on a réalisée il y a quelques temps. Et à titre d'exemple, on l'a réinsérée sur ce site de pré-prod. Donc, lorsqu'on va sur la barre de menu sur enquête, on a les enquêtes qui sont en cours ou les enquêtes réalisées. L'enquête en cours qu'on a mis ici, donc, on a la possibilité d'avoir un petit résumé qui explique en fait succinctement l'objectif de cette enquête. Et on a un bouton participer qui va nous permettre en fait d'afficher un formulaire. Et là aussi, bien évidemment, c'est accessible. Donc, l'utilisateur va pouvoir compléter ce formulaire par les différentes questions qui lui sont posées et ensuite envoyer ses réponses. Donc, toutes les données, évidemment, restent confidentielles. Le but, c'est d'avoir un outil statistique, mais ce n'est pas d'associer en fait un utilisateur à des réponses données. Et du coup, on a fait le choix, pour être tout à fait transparent, de partir sur un stockage des données chez Microsoft et pas chez Google. Pour les histoires de protection des données, sachant que, l'idée aussi, c'est d'avoir des données qui restent parfaitement anonymes. Et l'enquête que vous voyez là, on aura le résultat de cette enquête, parce que là, elle est bouclée, on est en train de faire les analyses, les extractions. Vous aurez un résultat de cette enquête qui sera publié lors de la sortie du site fin janvier, en fait. Et je pense que c'est important de le rappeler, Manuel, la protection des données, parce que comme il y a une fonctionnalité d'enquête, c'est-à-dire que vous allez soumettre régulièrement les gens à répondre, ce qui est très bien, et que les gens soient rassurés au maximum, je pense que c'est bien de le rappeler. Ouais, voilà. Messieurs, il est 52, on a encore une petite dizaine de minutes. Est-ce qu'il y a encore des fonctionnalités majeures ? En tout cas, est-ce qu'on peut résumer justement qu'est-ce qui va faire le distinguo entre la version actuelle, on va parler de l'ancienne version du site du CERTAM, et la nouvelle ? Alors, évidemment, sous le prisme de, évidemment, tout ça est 100% accessible et respecte le RGA. Oui, on ne pouvait pas faire autrement. J'ai envie de dire que là, comme vous avez pu le voir un petit peu rapidement, on a un petit peu retravaillé les fiches d'évaluation pour offrir la possibilité d'avoir une consultation beaucoup plus rapide de ces fiches aux gens qui le souhaitent, tout en gardant la possibilité d'aller fouiller beaucoup plus en détail toutes ces fiches et d'aller chercher des détails techniques si on a envie de les chercher. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la rubrique actualité et des articles. La volonté qu'on a aujourd'hui, c'est de renforcer la ligne éditoriale du site et d'avoir beaucoup plus de contenu éditorial sur le site en termes d'articles. Par exemple, quand on va lancer le site, on a fait un gros travail, il y a nos bénévoles qui a fait un gros travail, on vous en parlait hier, sur les déclarations de conformité et précisément sur le fait de savoir si ces déclarations de conformité qui sont obligatoires aujourd'hui sur les sites publics, mais pas que, si le point de savoir si ces déclarations de conformité, elles répondent bien aux obligations légales ou pas, et vous verrez
quand on va sortir l'article, malheureusement, que le résultat est assez édifiant et qu'on a encore beaucoup, beaucoup à faire sur ces points-là. Donc, ça a renforcé la ligne éditoriale et puis travailler sur les enquêtes, les métriques. Et là, on compte aussi sur vous en termes de participation des associations, puisque l'objectif, c'est que ce soit un outil collaboratif. Et que, bon, bien que cet outil soit sur le site du CERTAM, l'idée, c'est d'inviter les associations dans le secteur de la déficience visuelle à venir travailler avec nous pour qu'ensemble, on soit capable de produire de la donnée et qu'on puisse faire mieux encore notre travail de lobbying, parce que le but, c'est ça, par rapport à l'accessibilité des contenus, des sites web et des applications mobiles. Eh bien, merci. Je pense que ça peut faire une très belle conclusion, Manuel, si tu as encore une petite chose à rajouter. Écoute, c'était très bien. Voilà, tu as trouvé le ton et les mots justes. On a encore quelques minutes pour quelques questions. Est-ce que Pascal est dans les parages? Je vois qu'elle a un micro encore coupé. Ça y est, est-ce qu'il y a eu des... Ça y est, elle arrive. Voilà. Bonjour Manuel et Jean-Pierre, ça fait plaisir de vous retrouver. Alors, dans les questions, moi j'en avais une, mais Manuel a répondu que le site serait mis en ligne fin janvier. Est-ce que l'adresse sera la même que celle que nous connaissons actuellement, ou est-ce qu'il y aura une nouvelle adresse internet pour accéder au... La même. Ce sera la même. Ce sera exactement la même. Donc, ce n'est pas la peine d'effacer les favoris. Non. Tout va bien. Non, d'accord. Tout va bien. Tout va bien. OK. Et moi, j'avais une question aussi. Est-ce que... Donc, quand on parlait de recherche plus approfondie, est-ce qu'on pourra faire, par exemple, une recherche sur des critères? Alors, je ne sais pas, je vais essayer de trouver quelque chose d'intelligent. Je recherche un bloc-notes Braille pour lequel je veux un lecteur PDF. Est-ce que, par exemple, je peux dire, dans une recherche transversale dans les différentes fiches de produits qui ont été évaluées, je veux un bloc-notes Braille qui intègre un lecteur PDF? Jean-Pierre, je te laisse. Alors, la recherche va être un petit peu plus poussée. En fait, on a toujours une recherche qui est équivalente à une recherche full text, évidemment, mais ça va être lié à une recherche thématique. En fait, chaque solution testée est liée à un thème et un sous-thème. Je prends un exemple. On a, en gros, pour l'instant, trois thèmes principaux: application mobile, logiciel et matériel. Dans chacun de ces grands thèmes, on a des sous-thèmes. Par exemple, dans l'application mobile, on va avoir identification d'objets, détecteur de couleurs, etc. Donc, on va pouvoir faire déjà une recherche par rapport à ces thématiques et une recherche full text à l'intérieur de ces thématiques. Donc, la réponse est oui, mais par contre, on n'a pas une recherche par caractéristique. La raison en est simple, mais on avait déjà ce problème-là lors de la première version du site. Ça voudrait dire mettre en taxonomie tous les éléments, toutes les caractéristiques d'un produit, ce qui est un travail faisable lorsqu'on a peu de produits, lorsqu'on a des produits qui sont très similaires, des solutions très similaires, et ce qui est quasiment impossible lorsqu'on évalue des produits très différents avec une quantité de critères qui peuvent être là aussi très très différents, et donc c'est très exponentiel et c'est quasiment impossible à gérer, notamment avec les ressources que l'on a actuellement. Puisqu'on est sur la recherche, il y a un élément important qu'on va intégrer aussi, c'est la possibilité d'avoir des ressources. C'est-à-dire qu'on va intégrer beaucoup de ressources externes quand on va publier des articles ou autres pour que les gens puissent aller plus loin dans leur réflexion s'ils ont envie. Et donc, il y a un gros travail qui va être fait aussi d'enrichissement de ressources externes sur le site. OK, donc j'ai Arnaud qui nous demande s'il sera possible que les utilisateurs du matériel, par exemple, qui seront présentés dans les fiches, puissent commenter et apporter leur retour sur des fonctionnalités, peut-être des astuces, enfin ce genre de complément à la fiche de base. Alors, on a eu un gros débat là-dessus, pour être tout à fait transparent. On a prévu le site de sorte à pouvoir le faire si on le souhaite. Après, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est un problème humain, c'est qu'en fait, on est une petite équipe hein, au CERTAM. Je ne sais pas si les gens savent, mais on est trois personnes. Et donc, ça, voilà, on a beaucoup de travail. Et du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait quand même modérer un petit peu tous ces commentaires qui nous arriveraient. Et donc, pour le moment, on ne le fera pas, mais on a gardé, on s'est réservé la possibilité de le faire.
OK. Au niveau des enquêtes, alors moi, je suis un peu, comme sûrement comme beaucoup d'entre vous, on voit souvent passer des étudiants en Master 2, en Master 1, en thèse, qui cherchent des informations. Est-ce que le site a vocation d'accueillir des enquêtes externes qui pourraient leur être proposées par, je pense aux étudiants, mais il n'y a pas que. Oui. Ça peut, oui. Oui, oui, on est, l'outil est vraiment destiné à servir à tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut même imaginer des fabricants de produits électroménagers ou des organismes de représentation qui ont envie d'avoir des informations sur l'utilisation par les personnes déficientes visuelles, du tactile ou je ne sais quoi. Et effectivement, l'outil il est ouvert à tous, en fait. Ça, c'est une très bonne nouvelle, je pense. Enfin, c'est la volonté. Hein, mais je crois que c'est ça, parce que... Mmh. On sent qu'il y a souvent des demandes, bah oui, par les, oui, des startups, des étudiants. Enfin, on sent qu'il y a une demande d'information et puis on a parfois l'impression que ça part un peu dans tous les sens. Donc, s'il peut y avoir une sorte de regroupement sur un même site, je pense que ce sera bénéfique pour tous. Bah, l'objectif, c'est que n'importe qui puisse après venir collecter l'information qu'il a envie de collecter derrière, parce que l'idée, c'est d'archiver ses travaux sur le site, de les garder. Et donc, n'importe qui pourra venir après piocher dans les différentes enquêtes pour faire les extractions qu'il a envie de faire. Oui, puis ça évite de réinventer la roue, quoi, oui. D'une certaine manière, exactement. Si on peut le dire comme ça. Oui, ouais, non, mais c'est exactement ça. C'est ça. Ben, je crois que j'ai épuisé ma liste de questions et si c'est juste à l'heure, ça va. Denis ne va pas me taper sur les doigts. 11h00. Wow. Bravo, bravo. C'est magique. Tout. Avec 5 minutes de moins, vous avez condensé le propos et c'était très clair. Je vous remercie Manuel et Jean-Pierre. On croise les doigts que les derniers ajustements se passent bien et que la sortie sera effective. Ce sera un beau cadeau de Noël, hein, en tout cas, pour vous. Et puis pour nous aussi, évidemment, parce que je sais que, à titre personnel, je vais souvent rechercher des informations déjà sur l'existant. Donc, avec impatience de découvrir les nouvelles interfaces et les nouveaux messages. Et puis, justement, le document dont tu parlais, Manuel, sur l'article sur la recherche et un petit peu le diagnostic des déclarations de conformité va me passionner, j'en suis sûr. Merci à vous. Je voudrais juste remercier le partenaire qui bosse avec nous là-dessus, qui fait un gros boulot, qui est Anaguru, que vous avez déjà eu hier d'ailleurs, où on travaille vraiment depuis de longs mois sur ce site, et j'espère que tout le monde sera content du résultat. En tout cas, on va tout faire pour. Merci, c'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas, et puis bonne continuité, continuez bien, restez avec nous si vous avez la possibilité. On va poursuivre tout de suite, et ce sera encore moi, figurez-vous, avec mon comparse Fernando qui va co-animer la session suivante avec nos collègues de la Caisse des dépôts et consignations, José Coignard et Yann Goupil. Nous interviendrons, Fernando et moi, dans un premier temps sur la partie réglementaire, un peu plus détaillée que les choses que Fernando a pu commencer à exposer hier. Il y avait des dates importantes là, dans le deuxième semestre de 2020 sur les obligations d'accessibilité. On va revenir sur tout ça. On parlera aussi rapidement de l'Observatoire des démarches en ligne. On fera un petit topo un petit peu sur cette action mise en place par l'État. Et puis, dans la deuxième partie, donc, nos collègues de la Caisse des dépôts vont nous montrer un petit peu une application remarquable et remarquée en tout point, et vont vous la faire connaître. C'est une plateforme, ça s'appelle Mon Parcours Handicap. J'en dis pas beaucoup plus pour l'instant, je vais leur laisser la parole tout à l'heure. On va commencer, Fernando, je t'en prie, à toi. Merci Denis. Alors avant toute chose, un petit détournement, car depuis ce matin, nous n'avons pas parlé de l'enjeu fondamental, à savoir où en sommes-nous de l'étude sur les lecteurs d'écran Denis Boulet. Il est 11h du matin, je crois qu'il est essentiel de revenir là-dessus. Tout le monde nous le demande, c'est sûr. Tout le monde nous le demande. Combien de personnes se sont-elles précipitées pour remplir l'étude sur études2020.aveugle-au-pluriel-de-france.org. Denis, alors écoute, hier, nous avons, grâce à tes relances, on va dire, régulières, donc on a eu 16 retours sur toute la journée, ce qui est très bien. J'avoue que depuis ce matin, on n'en a eu qu'une. Donc ta relance n'est pas inutile. Il est temps de le redire, de le rappeler.
chers spectateurs qui êtes sur Zoom, chers panélistes qui êtes sur Zoom, chers spectateurs sur YouTube, prenez 5 minutes pour aller remplir cette étude. On a besoin de vos réponses pour faire quelque chose de qualitatif. Je me fais en quelque sorte l'écho de ce que Manuel Pereira vient de dire, notamment pour les enquêtes que le CERTAM va lancer. C'est important d'avoir vos contributions et que vous preniez ce temps-là pour qu'on puisse présenter des études un peu fournies, un peu documentées, avec une masse critique qui permette de tirer des enseignements sur les usages en matière de lecteurs d'écran. Et ce n'est pas complètement déconnecté du sujet que nous allons traiter maintenant, c'est pour ça que je me suis permis cette petite digression, en ce sens où on le verra dans le cadre réglementaire, on a une interaction forte en matière de tests notamment, sur les couples lecteurs d'écran et navigateurs Internet, mais nous y reviendrons un peu plus tard si vous le voulez bien. Alors, pour reprendre la discussion là où nous l'avions volontairement laissée hier lors de la présentation de notre ABC de l'accessibilité numérique, ABC que vous pourrez retrouver sur http://abc-le-du-6-accessnum.aveugle-de-france.org, toujours au format PDF accessible et toujours au format iPod 3 accessible, il y a une partie qui tâche de résumer le cadre légal et réglementaire dans lequel nous sommes en France. Je vais rentrer ce matin un peu plus dans le détail, chronologiquement d'une part. Je pense qu'il est important que tout le monde ait à l'esprit un peu les étapes par lesquelles on est passé pour comprendre que ce n'est pas une obligation qui est apparu là comme ça en 2020, que ça s'est inscrit dans un parcours temporel qu'il faut savoir rappeler. Et on reviendra ensuite, comme Denis le disait en introduction, d'une part sur un observatoire qui a vu le jour récemment avec des critères en matière d'accessibilité, on verra lesquels, et d'autre part, on reviendra rapidement sur le RG2A dans sa version 4, notamment pour rappeler un peu son fonctionnement, ses critères, etc. Alors, l'accessibilité numérique, qu'est-ce que c'est ? L'accessibilité numérique, c'est une notion qui est travaillée au niveau international au sein du W3C, donc le consortium qui régit des règles de l'Internet au niveau mondial. Dans ce consortium, ce W3C, nous avons un groupe d'intérêt qui s'appelle le Web Accessibility Initiative, ce qu'on appelle souvent le WAI pour aller un peu plus vite. Et vous savez que nous sommes régulièrement friands, malheureusement, de sigles. Et donc, ce WAI a publié pour la première fois ses recommandations internationales en matière d'accessibilité numérique en 1999. Je ne vais pas ici redire ce que c'est que l'accessibilité numérique. On a un certain nombre de définitions. Je vous renvoie à l'ABC de l'accessibilité numérique. Vous retrouverez un certain nombre de concepts dans ce guide-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces recommandations ont donné d'abord lieu à une circulaire en France. Là, pour le coup, je vais me situer en France. Émise par Lionel Jospin. Vous voyez que ça ne date pas exactement d'hier. En 1999, qui déjà préconisait de concevoir accessible. On a vu ensuite ces recommandations arriver dans un référentiel que beaucoup d'entre nous avons oublié, mais qui a existé. Je sais que Denis va sans doute avoir les larmes aux yeux quand je vais évoquer ce souvenir de sa vie numérique, à savoir un référentiel dit ADAE, qui reprenait ces questions-là. Et enfin, en 2005, est sortie la grande loi d'orientation sur le handicap que nous connaissons pour beaucoup d'entre nous, qui est la loi du 11 février 2005, avec son article 47 qui, pour la première fois dans la loi française, fait entrer de plein droit un droit à l'accessibilité numérique. Cette loi, du coup, posait ces principes-là et appelait la sortie d'un décret et d'un arrêté pour fixer un certain nombre de modalités techniques. Je ne vais pas rentrer dans le détail approfondi des textes. Retenez simplement qu'à travers les décrets et les arrêtés, l'ensemble de l'Internet public français aurait dû
être totalement accessible en 2012. Oui, j'ai bien dit 2012, ce n'est pas ma langue qui a fourché, c'était bien les échéances qui étaient prévues par les décrets et arrêtés. Et force est de constater que les objectifs n'ont vraiment pas été atteints. Au point qu'en 2014, l'association Brainet, où M. Denis Boulet sévissait à l'époque, a lancé une étude sur 600 sites pour vérifier si ces 600 sites présentaient des déclarations de conformité en matière d'accessibilité et si oui, comment tout ça était relativement valable ou pas. Et sur 600 sites, on a eu combien de pourcentage, Denis ? J'ose à peine le dire. Donc en fait, sur 602 sites exactement de l'échantillon, seuls 22 sites publics produisaient une attestation de conformité à l'époque, ça s'appelait comme ça, qui était valable en tout cas dans le formalisme qui était demandé par la réglementation. Donc 22 sur 600 sites, ça fait 3,7% pour être précis. Donc en 2014, 3,7%. Manuel Pereira nous a annoncé ce matin la publication prochaine d'une enquête menée par l'association Valentin Avi. Il sera intéressant de voir à fin 2020, début 2021, quelle résonance cette enquête aura, notamment avec cet instantané que Brainet avait pris en 2014. Et j'ai peur d'anticiper un certain nombre de résultats. Mais passons. En 2016, deux lois vont contribuer, malgré, ces objectifs non atteints, à renforcer le droit à l'accessibilité numérique dans la loi. Une première loi, ou un premier texte en tout cas légal, qui est donc la loi dite République numérique, promue par Axel Lemaire. Deux articles dans cette loi parlent d'accessibilité numérique. Le premier, c'est l'article 105, qui prévoit une bonne accessibilité des communications téléphoniques pour les personnes sourdes, malentendantes, sourdes aveugles et les personnes aphasiques. C'est une loi qui est rentrée réellement en application avec la publication de son décret. C'est un article de loi, pardon, qui est rentré en application, excusez-moi, je me corrige, par un décret réellement en 2018, avec aujourd'hui une application sur cet article concernant l'accessibilité des communications téléphoniques pour les personnes sourdes, malentendantes, sourdes, aveugles et aphasiques, qui laisse à désirer. En ce sens où, pour les personnes aphasiques et les personnes sourdes, aveugles, le centre relais téléphonique, au moment où on parle, ne propose toujours pas de dispositif convenable pour une bonne accessibilité des communications téléphoniques. C'est d'ailleurs pour ça que le Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui est souvent considéré rapidement comme étant un peu le parlement des personnes en situation de handicap en France, a émis une communication en juillet pour réclamer de façon collective, au nom de ce Conseil national consultatif, le respect plein et entier de cet article de loi 105 de la loi République numérique. Le deuxième texte juridique à valeur légale dont je souhaiterais vous parler, paru en 2016, qui renforce l'accessibilité numérique, c'est la directive européenne UE 2016-2102 qui, elle, tend à harmoniser, le droit à l'accessibilité numérique pour l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Tout ça, en réalité, recoupe un autre article de la loi République numérique de 2016, dont je ne vous ai pas encore parlé, mais c'est parce qu'en réalité, tout ça va se recouper avec cette directive, c'est pour ça que je vais en faire un bundle, comme on dit en bon français, je vais vous en faire un paquet. L'article 106, lui, en réalité, étend les dispositions qui existaient déjà dans l'article 47 de la loi du 11 février 2005, non seulement donc à l'Internet public, ça c'était déjà dans l'écriture de l'article initial, mais également au mobilier urbain connecté, par exemple, et aux applications mobiles.
Alors, pourquoi j'ai fait un paquet volontairement de cette directive européenne 2016-21-02 et de cet article 106 de la loi République numérique? Vous pourriez me dire, à juste titre, c'est pas très pédagogique là, alors que tu dissocies les textes juridiques, finalement, de nous présenter ces deux textes qui sont dans des véhicules totalement différents, d'un côté une directive européenne et de l'autre côté finalement un article de loi française, c'est curieux. Eh bien, parce qu'en réalité, cette directive européenne et cet article de loi 106 de la loi République numérique trouvent leur parachèvement en droit français dans la publication de l'article 80 de la loi Liberté de choisir son avenir professionnel, promulguée le 5 septembre 2018, et qui elle-même, qui lui-même, cet article 80 de cette loi, va modifier l'article 47 de la loi du 11 février 2005. J'espère que tout le monde me suit, j'essaye d'être le plus didactique possible, mais ce n'est pas toujours facile avec les textes juridiques. Cela étant, ça permet quand même de comprendre quelle a été la mécanique. Cet article de loi donc, vient modifier l'article 47 de la loi du 11 février 2005, vient renforcer, comme je l'indiquais, l'accessibilité numérique, étendre donc, du coup, cette accessibilité au mobilier urbain, aux applications mobiles, et subtilité française, pour le coup, puisque c'était une disposition qui était dans l'article 106 de la loi République numérique, étend même cette obligation à certains acteurs privés. Ces acteurs privés, comme je le mentionnais déjà hier, sont les acteurs de droit privé réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros, ce qui correspond aujourd'hui en France environ à 1400 groupes. Une fois que cet article 80 de la loi Liberté de choisir son avenir professionnel a été promulgué le 5 septembre 2018, il a fallu attendre un décret et un arrêté. Le décret est paru le 25 juillet 2019 et l'arrêté le 20 septembre en date du 16 septembre 2019, fixant un certain nombre de modalités à la fois techniques et juridiques, notamment en matière de sanctions. Les sanctions, je vais aller rapidement là-dessus puisqu'on les a déjà évoquées hier et je n'aimerais pas lasser notre auditoire en rabâchant. Retenez que c'est 20 000 euros pour défaut de mise en évidence d'une déclaration de conformité sur les sites internet publics ou sur les sites des entités privées réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros. Donc, à défaut de cette déclaration de conformité qui doit spécifier si le site est accessible, partiellement accessible ou non accessible, et s'il n'y a pas, le cas échéant, de schéma pluriannuel disant dans les 3 ans ce que l'éditeur du site compte faire pour rendre son site accessible, l'entité en question, qu'elle soit publique ou donc de droit privé, si elle rentre dans les conditions que j'ai précédemment énoncées, peut se voir appliquer une sanction de 20 000 euros par site constaté. Donc, je redis ce que je disais hier, si je suis opérateur de téléphonie, par exemple, que je maintiens, mettons, 500 sites, si sur aucun de mes sites, j'ai une déclaration de conformité, eh bien, ça fait 500 fois 20 000. Voilà. Ces sanctions, pour le moment, n'ont pas, à ma connaissance, été appliquées, et ce, d'autant moins que les décrets dont je parlais tout à l'heure, décrets arrêtés sortis en 2019, prévoyaient, conformément au calendrier européen énoncé dans la directive européenne, que les anciens sites internet publics, donc ce qu'on appelle le stock, c'est-à-dire les sites qui existent depuis un moment mais qui n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement quelconque, et les nouveaux sites devaient présenter ces déclarations de conformité au 23 septembre 2020. Et là aussi, pour reprendre les propos de notre secrétaire d'État aux personnes handicapées, il ne fallait pas s'attendre à ce que dès le 24 septembre à 8h du matin, tous les sites concernés fassent apparaître des déclarations de conformité. Elle avait raison. À 8h du matin, le 24 septembre, il n'y en avait quand même pas beaucoup.
La directive européenne, rentrée en droit français par l'article 80 de la loi Liberté de choisir son avenir professionnel promulguée le 5 septembre 2018, prévoyait également qu'on ait le même type de mécanisme pour les applications mobiles. Et donc là, on a rendez-vous en juin 2021 pour voir si nos applications mobiles, notamment du service public, présenteront des déclarations de conformité, telles que je les ai énoncées tout à l'heure. Maintenant, très brièvement, lors de la conférence nationale du handicap du 11 février 2020 à l'Élysée pour célébrer les 15 ans de cette loi cadre promulguée le 11 février 2005, on a eu une annonce, je vais laisser du coup Denis revenir peut-être brièvement là-dessus, notamment à travers l'Observatoire des démarches en ligne. Denis. Alors oui, Fernando, effectivement. Alors je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Alors, il va être... Alors, je vais mettre cette petite chose-là. Voilà. En fait, on a... j'espère que vous voyez ce que j'ai à l'écran. L'État a mis en place un observatoire en ligne, donc 250 démarches phares de l'État, c'est-à-dire, attention, on ne parle pas de 250 sites web, on parle de 250 démarches, c'est-à-dire que pour un même site web, il peut y avoir plusieurs démarches. Je vais voir si je peux vous partager... Voilà, normalement, vous devez l'avoir à l'écran. Un site web, donc République française, l'Observatoire de la qualité des démarches en ligne, 250 démarches phares de l'État, et vous avez, voilà, par exemple, un certain nombre de démarches où vont être calculées un certain nombre, ou en tout cas répertoriées, un certain nombre de métriques sur tout ce qui est les actions réalisables en ligne, les usagers satisfaits, la compatibilité mobile, le support accessible, etc. Et puis, dans la dernière partie, alors là, je suis caché par, évidemment, cette petite chose, on voit qu'il y a prise en compte handicap. D'accord ? Donc, la prise en compte handicap, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un site web, pour que son statut dans cette colonne prise en compte du handicap passe de non à partiel et à oui, eh bien, il faut que le site web puisse produire une déclaration de conformité de moins de 3 ans et que le résultat de cette déclaration de conformité dépasse 75% de conformité avec les critères du RG2A. D'accord ? Donc, si un site, imaginons mon parcours handicap par exemple, produit donc une déclaration de conformité de moins de 3 ans et est supérieur à 75%, son statut en tant que démarche, mon parcours handicap, passera de non partiel à oui. Et donc, il aura ce statut. On a la possibilité de pouvoir trier cet observatoire par... justement les différentes typologies de classement. Donc, par exemple, prise en compte du handicap, pour l'édition, on le voit ici, d'octobre 2020 du site web, eh bien, d'avoir une photographie, on va dire, de 3 mois en 3 mois, la dernière ayant eu lieu en juillet. Et donc, on va pouvoir, par exemple, voir sur la première ligne que la déclaration trimestrielle RSA prend bien en compte le handicap avec un statut oui, c'est-à-dire qu'elle a donc une déclaration de conformité inférieure à 3 ans, pardon, et un taux de conformité, vous voyez, 100% quand on déplie un petit peu la métrique dédiée à cette démarche en ligne. Et donc, j'ai fait le calcul pour vous. On va pouvoir voir que pour l'édition d'octobre 2020, on a 24 démarches, qui ont un statut oui, 15 qui ont un niveau partiel et 140 qui ont un niveau non, un statut non à la prise en compte du handicap. Donc, par rapport à juillet, on est toujours à 24 oui, c'est-à-dire que 24 démarches sont toujours dans justement une déclaration de conformité de moins de 3 ans et plus de 75% de conformité au RGA. On est passé de 7 à 15 avec un statut partiel, c'est-à-dire qu'on a une progression de sites qui vraisemblablement n'avaient pas ni l'un
ou ni l'autre de ces sous-critères, c'est-à-dire la déclaration de moins de 3 ans et 75% de statut conforme, et puis 140 non, alors quand on fait le calcul, ça ne fait pas 250. Effectivement, il y a quasiment une petite centaine de sites où il n'y a aucun statut par rapport à la prise en compte du handicap. Donc, le statut partiel, hein, je ne l'ai pas bien défini, c'est autant pour avoir le statut oui de prise en compte du handicap, il faut avoir les deux sous-critères, donc la déclaration de moins de 3 ans et plus de 75% de conformité au RGA, le statut partiel correspond à l'un ou l'autre de la prise en compte de ces sous-critères. On le rappelle, le RGA, enfin en tout cas la loi telle que Fernando l'a pu l'évoquer, c'est bien 100% de prise en compte des critères du RGA. Donc là, on a un statut un petit peu arbitraire de dire, on va dire que le taux d'accessibilité acceptable pour passer un statut oui dans cette démarche en ligne n'est pas 100%, mais uniquement 75%. Voilà ce que j'avais à dire, Fernando, sur cet état. Et donc, pour compléter l'annonce qui a été faite le 11 février 2020 par notre secrétaire d'État au numérique, Cédric O, a été de dire qu'il souhaitait qu'en 2022, 80% de ces démarches soit rendu accessible à 75%. Donc on le voit, l'annonce est relativement en dessous de ce que prévoit la loi, puisque comme vient de le rappeler Denis, on n'est pas sur 75% d'accessibilité, c'est pas ce que dit la loi. Et puis on peut aller un tout petit peu au-delà et parler un peu technique, en indiquant aussi que le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité découle des recommandations internationales des WAI, notamment d'un document qui s'appelle les WCAG 2, et en l'occurrence 2.1, 2.2, etc. Bon, mais en tout cas, ça découle de ce document de recommandation. Pour autant, les 106 critères retenus et qui doivent être respectés ne font pas de votre site un site universellement accessible. C'est un socle minimal requis par la loi pour qu'il soit consultable par bon nombre des internautes. Mais ce n'est pas un socle totalement satisfaisant, en ce sens où il ne va pas concerner tout le monde. Alors de quoi je parle là, même si nous sommes en pleine journée d'études technologie et d'efficience visuelle, on se doit aussi, lorsqu'on parle d'accessibilité numérique, d'exposer l'ensemble des conditions qui régissent la bonne accessibilité d'une interface. Eh bien, dans les recommandations internationales, en réalité, on a trois niveaux, le simple A, le double A, le triple A. Notre référentiel général d'amélioration d'accessibilité, en réalité, prend les critères simple A et double A des recommandations internationales, les fusionne et en font 106 critères. Mais les critères triple A, eux, ne sont pas dans ce socle minimal à atteindre. Ce qui fait que, notamment pour le facile à lire et à comprendre, c'est quelque chose qui est recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. Pour la langue des signes française, c'est recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. Donc on le voit, l'accessibilité numérique en France, d'un point de vue légal, réglementaire, c'est déjà respecté ce socle minimal fixé par le RG2A et ses 106 critères. Mais si on veut bien faire, c'est aller plus loin et c'est prendre en compte des populations qui aujourd'hui ne sont pas représentées dans le socle minimal composé par ces 106 critères. Et c'est pour ça qu'on a jugé intéressant, utile, d'inviter aujourd'hui José Coignard et Yann Goupil de la Caisse des dépôts et consignations, puisqu'ils travaillent sur une plateforme que certains d'entre vous connaissent sans doute déjà, qui s'appelle Mon Parcours Handicap, qu'on peut retrouver sur www.monparcourshandicap en un seul mot, monparcourshandicap.gouv.fr. Et on va le voir, ils ont eu à cœur de travailler bien évidemment sur le respect de ce que leur demande la loi, ça c'est la base,
et d'aller un peu plus loin que ce que leur demande la loi pour s'assurer que ce site fondamental en matière d'accès aux droits pour les personnes en situation de handicap soit le plus accessible possible. Messieurs, c'est à vous. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Yann Goupil. Donc, je suis intervenu sur le développement de cette plateforme en tant que responsable de l'expérience utilisateur et en tant qu'expert en accessibilité numérique. Et donc, je vais vous partager mon écran pour... Alors, vous me dites quand c'est bon, j'ai des messages un peu bizarres. Mais... On te voit encore. On te voit encore. Ok. Et de ne pas mettre en plein écran si tu peux, pour le partage. Tu essaies de montrer le site ou tu es transparent ? Je voulais d'abord montrer un PowerPoint qu'on avait fait. Bon, Alors, passe quelques... Ça y est, c'est bon. C'est bon. Voilà. PowerPoint, et tu reprendras tout à l'heure sur l'affichage. C'est toi qui partage, José, c'est ça? Je pense. Vas-y. Ouais, je sais pas, ça n'a pas l'air de marcher. Donc, si tu peux passer, je vais déjà parler de l'origine, en fait, de cette plateforme. En fait, qui est issu d'un rapport parlementaire en 2018 de deux parlementaires, donc les parlementaires Taquet et Serre, qui se sont interrogés en fait sur les modes de fonctionnement des services publics engagés dans la politique publique du handicap, et donc savoir s'ils répondaient vraiment aux besoins des usagers. C'était une approche qui était vraiment orientée usager. Il y a une consultation nationale qui a été faite pour vraiment interroger les personnes. Et donc, il y a un rapport qui est issu de toutes ces études et qui a proposé donc 113 propositions pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. Ce rapport, je vous conseille la lecture, il est assez long, mais il est très riche d'informations et il est malheureusement en fait assez critique sur justement la politique du handicap et notamment le service rendu par les services publics auprès des usagers. Dans ce rapport, donc, des 113 propositions, il y en a une qui est la numéro 7 et qui propose donc la création d'une plateforme unique orientée parcours usager pour en fait centraliser vraiment l'information, la rendre officielle, fiable, homogène pour les personnes en situation de handicap. C'est vrai que les informations, en fait, elles sont très diffuses, elles sont très dispersées. Donc, c'est très compliqué de s'y retrouver, en fait. Ça crée beaucoup d'anxiété, en fait, pour les personnes. En tout cas, c'est ce qui remonte dans ce rapport. Et donc, on a besoin de réassurer les personnes afin qu'elles trouvent vraiment une information fiable et officielle de manière donc centralisée sur un même site. Donc en 2019, le gouvernement s'est tourné vers la Caisse de solidarité pour l'autonomie, la CNSA et la Caisse des dépôts pour créer en fait les premières briques de cette plateforme, donc qui a été appelée Mon Parcours Handicap, puisque c'est vraiment orienté parcours usager. Et donc, en 2019, on a commencé à travailler sur les premières briques de cette plateforme qui concernent la formation professionnelle, l'emploi et la vie professionnelle des personnes en situation de handicap, mais ainsi tout ce qu'on peut trouver en matière d'aide de démarches. Donc la première version de cette plateforme est sortie en plein confinement ce printemps, en plein mois de mai.
La plateforme n'a pas été lancée, on va dire, de manière très officielle, en tout cas à très bas bruit. Il n'y a pas eu non plus d'une communication très très forte parce qu'il y avait d'autres, entre guillemets, la crise sanitaire qui est passée par ici. Donc, ce que je veux. Alors, je vais t'inviter à naviguer un petit peu, du coup, à ma place, José, puisque je ne peux pas partager mon écran. Si tu peux partager un navigateur. Alors, oui, c'est tout de suite. Hop, ça doit être bon. Donc là, on est sur la page d'accueil donc de mon parcours handicap. Je vais juste décrire donc quelques grosses parties qui sont les plus importantes du site. Je parlais tout à l'heure de centralisation d'informations et d'orientation des personnes. Donc c'est la première grosse rubrique de notre site qui nous concerne, où donc vous allez vraiment trouver des articles de fond en matière de droit, de démarche, de formation professionnelle, de formation en alternance qui est très importante, et concernant l'emploi et la vie professionnelle. Donc si tu vas dans droit et démarche par exemple, on va retrouver tout ce qui concerne bien sûr les informations liées au MDPH, la maison départementale des personnes handicapées, les aides et les prestations sociales, tout ce qui est AAH, AEH, les pensions d'invalidité, etc. Les aides à l'emploi et à la formation et les aides au transport. Donc pour l'instant, c'est déjà une première salve de tout ce qu'on peut trouver en matière d'aide. Est-ce que tu peux remonter un petit peu, José, et te brancher sur la partie sur un article, par exemple, de la MDPH, le premier, la mission et fonctionnement. Donc, les articles qu'on trouve sur la plateforme, ce sont des articles qui ont été vraiment écrits spécifiquement pour la plateforme. Ce n'est pas juste une compilation d'articles qui peuvent exister, enfin tout du moins des informations qui peuvent exister à droite, à gauche sur tous les sites de la sphère du handicap. Ce sont des articles qui ont été vraiment recréés de toutes pièces, de manière à ce qu'ils soient vraiment le plus simple, le plus complet, les plus accessibles. Comme le disait Fernando tout à l'heure, on retrouve également des ressources en facile à lire et à comprendre sur les contenus, on va dire, les plus cruciaux. Et puis, sur chacun des articles de fond, les personnes ont la possibilité de donner leur avis sur le contenu qu'ils ont visité. Donc que ça soit un avis positif ou un avis négatif, et dans le cas d'un avis négatif, on les invite vraiment à nous communiquer tout ce qui a pu gêner ou entraver la compréhension des articles. C'est des choses qu'on suit vraiment très sérieusement et qui nous aident à améliorer les contenus. Cette plateforme, elle n'a pas été faite, bien sûr, par nous dans notre coin. Depuis le début des travaux de la plateforme, on sollicite les personnes en situation de handicap, donc à travers des ateliers de travail, à travers des interviews qu'on a pu faire en face-à-face, en one-to-one, comme on dit. Il y a eu beaucoup d'ateliers de travail qui ont été menés dans le cadre également d'un premier service qui est sur la plateforme et qui concerne l'immersion professionnelle des personnes. Le service en question, c'est le service qui s'appelle Andi, accompagnement numérique et développement de l'insertion. Donc ça, c'est un premier service qui a été vraiment créé pareil à la Caisse des dépôts et qui est disponible sur la plateforme. Il y aura d'autres services qui vont intervenir, plus d'autres services qu'on va aussi référencer, qui ne sont pas forcément créés par nos équipes de développement,
Mais par exemple, voilà, comme les droits sociaux.gouv.fr ou d'autres services qui sont créés soit par des institutionnels ou soit par, par d'autres, d'autres acteurs qui seront référencés et qui apporteront vraiment de la valeur pour les usagers. Donc ça c'est très important, cet aspect co-construction avec, avec les personnes en situation de handicap. On a créé aussi ce qu'on appelle une communauté, c'est-à-dire qu'on invite vraiment les personnes à nous rejoindre et à nous aider à vraiment à construire cette, à cette plateforme, vraiment recueillir leurs besoins, échanger collectivement pour réfléchir à des solutions intelligentes. Donc aujourd'hui, on a à peu près 500 usagers qui se sont inscrits sur notre plateforme et donc qu'on sollicite, alors soit comme ça à travers des enquêtes ou des sondages en ligne, mais également en les contactant directement pour échanger avec eux sur les thématiques de la plateforme. Donc on a parlé des informations, on a parlé des services, bien sûr il y a une partie actualité qui est affichée sur le site. Je peux vous donner par exemple à titre indicatif les articles justement qui ont été les plus consultés sur les derniers mois. Donc il y a beaucoup d'articles qui vont concerner donc, les aides, notamment la pension d'invalidité, l'RQTH, l'allocation aux adultes handicapés, tout ce qui concerne les dépôts et les traitements de dossiers par les MDPH. On a aussi des actualités sur les masques inclusifs, donc, qui est une actualité qui a très bien fonctionné. Et puis, sur la formation, comment compenser mon handicap en formation, qui peut m'aider à élaborer mon projet de formation ou d'évolution professionnelle, comment financer ma formation, comment me former voilà, pour trouver un emploi, comment parler de mon handicap. Ce sont des articles qui sont présents sur cette plateforme et donc qui sont les plus consultés à l'heure actuelle. Pendant la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, on avait aussi, on a un agenda sur cette plateforme et donc qui a très bien marché également donc pendant ce mois de novembre avec la semaine pour l'emploi. Mais à tout moment, en fait, on peut proposer des événements. Tout internaute peut proposer un événement en rapport bien sûr avec le handicap et donc sera affiché sur cette plateforme. Donc voilà en deux mots vraiment très très rapide ce qu'on peut trouver sur mon parcours handicap. Bien sûr il y a d'autres briques qui vont se construire petit à petit. La prochaine brique en cours de travail va concerner tout ce qui est la scolarisation, mais cette plateforme a vocation vraiment à traiter de tous les parcours de vie, que ce soit le logement, la santé, les transports, les retraites, la découverte du handicap, voilà, tout un tas de sujets qui seront présents sur cette plateforme. Et on encourage vraiment les gens donc à aller la visiter s'ils ne la connaissent pas encore et ne pas hésiter également à s'inscrire à cette communauté pour participer à la construction de cette plateforme. Je vais laisser maintenant José parler de la conduite du projet et comment on est arrivé effectivement à arriver à ce bon niveau, très bon niveau d'accessibilité, notamment qui fait qu'on échange sur ce point-là. Merci Yann. Donc bonjour à tous et à toutes. Moi c'est José Coignard. Dans l'équipe Programme Handicap, je suis coach agile. On va revenir un peu sur ce terme qui n'est peut-être pas connu de tout le monde. Donc, ce projet web que vous a présenté Yann, on l'a réalisé dans un cadre
qui permet un travail souple, qui permet de s'adapter rapidement et qui permet de valider des hypothèses en lien avec les usagers. Donc, ce cadre de travail, c'est ce qu'on appelle le cadre de travail agile. Donc, il permet, entre autres, une création itérative du produit et de se focaliser sur la qualité et l'écoute des usagers. Ce cadre de travail, il amène aussi trois choses qui sont pour nous, on pense, essentielles à la réussite, en tout cas de la mise en place d'un produit de qualité et notamment de qualité au niveau d'accessibilité numérique. Premier point, c'est une équipe de développement la plus autonome possible afin de vraiment délivrer rapidement de la valeur et un produit sur le terrain. Deuxième point, c'est une démarche centrée sur l'utilisateur. Yann vous l'a déjà dit. Donc, c'est une démarche qu'on appelle une démarche de design d'expérience, UX. Et c'est hyper important et encore plus important dans notre cadre d'exigence d'accessibilité numérique et d'utilisabilité numérique. Et enfin, un paramètre dans cette démarche, dans ce cadre de travail qui est inamovible, vous savez, dans un projet web, il y a quatre paramètres. Il y a le coût, le délai, le périmètre du produit et la qualité. Et généralement, c'est ce dernier paramètre qui est touché parce que on est à court d'argent, on est à court de temps. Et donc, nous, ce paramètre-là, on l'a fixé. Il était inamovible, intouchable. La qualité, c'était non négociable. Il fallait absolument qu'on soit au 100% d'accessibilité numérique. Et donc, c'est un critère extrêmement important dans notre cadre de travail, notre démarche. La composition de l'équipe, on vous l'a mise dès septembre 2019. On a construit une équipe de professionnels du monde du web et de professionnels en accessibilité numérique. Et donc, Yann en faisait partie en tant que UX designer et expert en accessibilité numérique. On avait aussi une personne qui avait des compétences en automatisation test fonctionnel, important pour tout ce qui est fluidité de la construction et de contrôle de non-régression du produit. On avait une personne responsable de l'interface web graphique. On avait une personne qui codait ses pages web, donc vraiment le code HTML, les JavaScript, les scripts qui permettent une fluidité, quelque chose de sympa à voir, mais qui répondent aux exigences d'accessibilité. Et puis, au début, trois développeurs sur le gestionnaire de contenu de Drupal et assez rapidement, quatre. C'est ce que l'équipe, donc tout ce que vous a présenté Yann, c'est cette équipe-là qui l'a construit. Alors, ce cadre de travail, donc, il n'intégrait pas forcément l'accessibilité numérique, mais ça a été une exigence pour nous dès le début. C'était vraiment une première préoccupation, c'est de faire quelque chose pour et avec les usagers. Et donc, puisque notre public cible était des personnes en situation de handicap avec des déficiences, eh bien, ce critère-là d'accessibilité numérique était le premier critère, notre première exigence. Donc, comment ça s'est matérialisé dans notre cadre de travail? C'était une matérialisation d'abord dès le design. C'est-à-dire qu'on n'attendait pas la phase de codage par les équipes techniques. Dès le design, donc avec le travail notamment de Yann, on prenait en compte l'accessibilité numérique. Donc, à la fois en captant les besoins des utilisateurs, leurs irritants, mais aussi dans le design des solutions qu'on pouvait proposer et dans le test de ces solutions-là. Le respect du référentiel général d'accessibilité, évidemment, dans sa version 4, mais on a aussi parlé des WCAG 2.1, et nous, donc, on a été posé dans notre définition du terminé, qui est un artefact, qui est un élément du cadre de travail Agile Scrum, c'est on veut aller au plus haut niveau d'accessibilité. Donc, on considère un sujet terminé, une page web, une fonctionnalité, on la considère terminée que quand on a respecté l'ensemble des critères d'accessibilité numérique. Et ça, c'est un point crucial qui, je pense, nous a permis vraiment d'atteindre assez rapidement ces 100% d'accessibilité numérique. Ça a été complété par des tests automatisés. Alors, ça fait pas tout, mais c'est toujours bien d'en avoir. Et donc, on a utilisé des outils comme Askatason ou Ranorex pour faire cela. Et puis, quelque chose qui est certainement essentiel, qu'on a mis en place, c'est une bibliothèque de composants, des normes sur l'interface, ce qu'on appelle un design system. Ça permet aux développeurs de venir piocher sur étagère des choses qui ont déjà
passer le filtre de notre expert accessibilité numérique qui sont déjà 100% conformes et qui peuvent être réutilisés rapidement pour construire une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle page. Alors, on a complété tout ça, évidemment, par des formations, des audits, soit d'utilisabilité ou des audits sur le référentiel. Et puis, évidemment, on l'a déjà plusieurs fois dit, des tests avec les usagers. Alors, dans ce cadre, et on remercie la Fédération des aveugles et ambliopes de France pour l'intervention d'aujourd'hui et puis pour tout le travail qu'on a fait ensemble, puisqu'on a, dès le début, fait une convention de partenariat avec eux. Et cette convention avait deux objets. C'était d'abord d'acculturer l'équipe à l'accessibilité numérique, parce qu'on verra, on avait quand même une équipe assez novice dans le domaine, mis à part Yann. Et puis, avec la Fédération des aveugles et ambliopes de France, on a réalisé des audits. Alors, des audits plutôt d'utilisabilité sur le produit numérique, plus que des audits sur le référentiel d'accessibilité numérique. Donc, ces audits d'utilisabilité, par exemple, pour l'anecdote, nous ont permis de changer, de pivoter par rapport aux hypothèses qu'on avait faites. Et une hypothèse qu'on avait faite, c'était une navigation via un arbre de décision. Donc, en fait, on voulait poser des questions aux personnes, aux usagers, et puis en 4-5 questions, leur afficher le contenu le plus approprié par rapport à leurs réponses. Et en fait, ça, on s'est rendu compte, bon, déjà que techniquement, c'était pas facile à faire pour respecter l'accessibilité numérique, mais avec le travail de la Fédération des aveugles de France, on s'est rendu compte aussi que ce n'était pas très utilisable pour une certaine catégorie de déficience. Donc, au final, on a changé, on a mis ce travail de côté et on a fait autre chose. Et ce que vous a présenté, il y a une arborescence un peu plus classique, une navigation un peu plus classique. On a complété tout ça donc par des audits de conformité RGA avec une entreprise spécialisée qu'on a menée aussi de manière itérative entre janvier et avril. Et puis, évidemment, des tests utilisateurs en présentiel ou à distance. Alors, surtout, en fait, au final, à distance, puisqu'on a eu la crise du Covid qui est passée par là. Et puis, avant, on avait eu aussi la crise des Gilets jaunes qui nous a un peu embêtés à mener des tests en présentiel. Alors, je le disais tout à l'heure, c'est une équipe qui est montée en compétences progressivement, qui était assez novice au début. Et ça, on voulait attirer votre attention sur cet aspect-là, puisque en dehors de l'expert en accessibilité numérique, Yann, le reste de l'équipe était assez débuté sur le domaine. Et ça a été quand même un challenge en plus pour nous tous, puisque l'accessibilité numérique, c'est pas si simple. Et donc, on vous conseille vivement, si vous démarrez un projet web, de former d'abord votre équipe. Parce qu'une fois formé à l'accessibilité numérique, le fait de participer au terrain, à la construction de quelque chose et en respectant les règles, ça leur permet vraiment de monter en compétences rapidement et d'asseoir en fait toutes ces compétences théoriques qu'ils peuvent voir lors d'une formation. Donc, tout ça, c'est venu renforcer au fur et à mesure les acquis et consolider tout ça au sein de l'équipe. Ce qui permet maintenant d'avoir une équipe qui ne fait plus trop appel à Yann, prend en compte assez rapidement techniquement les choses et nous évite des écueils et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Alors, tout ça, ça nous a permis d'atteindre les 100% d'accessibilité numérique sur les critères AAA du WCAG. Donc, on a été plus loin que le RGA et c'est quelque chose qu'on veut maintenir dans le temps. C'est quelque chose qui n'est pas simple et justement, je vais laisser Yann vous parler de comment on envisage de continuer à rester à ce meilleur niveau. Ouais, merci José. Donc effectivement, c'est que le début en fait, l'accessibilité, le fait d'être 100%. Maintenant qu'on a fait tout ça, l'enjeu principal, c'est que faut maintenir une démarche pérenne dans la durée. Donc pour ça, effectivement, puis surtout que on peut avoir des personnes qui quittent le projet, d'autres qui reviennent. Donc c'est très très important de pérenniser tous les travaux d'accessibilité. Qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, on documente beaucoup les choses.
C'est pas parce qu'on est en mode agile qu'on fait pas de documentation, de spécification. En cadre agile, on a ce qu'on appelle des user stories. Et donc dans ces user stories, on documente vraiment de manière très très précise ce qu'on attend comme critère de ce qu'on appelle les critères d'acceptation. Et on décrit également de manière très technique les spécifications de l'accessibilité. Ça, c'est très important de documenter les choses de manière à ce que quelqu'un qui reprend de la documentation, il trouve vraiment de l'information sur cette partie. On continue bien sûr la démarche centrée utilisateur, on continue les travaux avec la communauté de nos usagers, et pour les prochaines fonctionnalités ou les prochaines thématiques, on va continuer avec nos tests utilisateurs. C'est très important que ça soit des tests de perception sur des maquettes qui sont pas voilà, le développement n'est pas encore effectué, mais comme le disait José tout à l'heure, même en partie conception, et dès qu'on a des maquettes à proposer, on les soumet à nos usagers. Donc on a déjà des retours. Continuer à utiliser ce qu'on a pu construire avec le design system. Maintenant qu'on a capitalisé sur beaucoup de choses, ce design system, il est très important à maintenir également et à réutiliser dès que c'est possible. Dès qu'on fait des nouvelles fonctionnalités, on a aussi le fait de solliciter un tiers certificateur qui nous fait des audits vraiment de conformité. Donc, ce n'est pas parce qu'on a eu notre déclaration de conformité qui était faite au mois de mai qu'elle ne va pas vivre dans le temps. À chaque fois qu'il y a une nouvelle fonctionnalité, en fait, on soumet un contrôle de conformité et un audit. Donc, ce qui fait que c'est finalement assez rapide parce que l'accessibilité étant prise en compte sur toute la chaîne, les résultats d'audit de conformité nous ramènent de la conformité, on va dire, en fonction de ce qu'on propose, entre 75% et 90% de conformité. Donc, on a très, très peu de choses sur lesquelles on revient. C'est vraiment des petites broutilles, entre guillemets, qui ont pu nous échapper pendant la phase de développement. Et donc, c'est très rapide, en fait, à corriger. On refait, bien sûr, appel également à la Fédération des aveugles de France pour les tests d'utilisabilité, parce que ce n'est pas parce qu'on produit quelque chose qui est conforme, qui est forcément utilisable. Et donc, vous nous avez donné des conseils précieux, justement, pour ajouter de l'information, faire les choses un petit peu autrement, même si c'était conforme en matière d'accessibilité. Ce n'était pas forcément facilement utilisable, ou tout du moins, ça nécessitait des petits ajustements pour aider à l'utilisation. Bien sûr, on forme les contributeurs qui produisent des contenus sur le site, parce qu'on a une belle coquille, entre guillemets, accessible, mais dès qu'on va insérer des contenus sur cette plateforme, bien sûr, il faut que les personnes qui s'occupent de contribuer soient formées à l'accessibilité et formées à produire quelque chose d'accessible. Et puis, la Caisse des dépôts, voilà, consciente de tous ces enjeux, en fait, vraiment a nommé un référent accessibilité numérique qui est moi, pour prendre en compte vraiment tous les enjeux et acculturer vraiment tout l'établissement public, et pas juste quelques équipes de développement, mais vraiment tout l'établissement public à l'accessibilité, et développer l'accessibilité de manière pérenne, j'allais dire enfin. On vous a mis effectivement quelques ressources utiles qui peuvent être assez pratique pour si on veut commencer dans l'accessibilité, si on veut se renseigner sur l'accessibilité. Ce sont des documents officiels de la DINUM. Donc il y a quelques guides qui ont été produits il y a quelques années, mais qui sont toujours d'actualité.
et qui vont concerner, on va dire, tous les profils qui peuvent intervenir dans la création de plateformes ou de services numériques, comme les concepteurs, les intégrateurs, les développeurs, les chefs de projet, mais aussi, bien sûr, les décideurs. Il y a tout un corpus de documentation qui est vraiment très intéressante et qui permet vraiment de bien comprendre les enjeux de l'accessibilité. En plus de l'ABC du numérique que vous avez produit, qui est très bien fait également. Et puis aussi, on a mis comme ressource les bonnes pratiques, le design system de la DILA, donc qui est derrière en fait la plateforme servicepublic.fr, qui a un très bon niveau d'accessibilité et qui est vraiment aussi très vertueuse dans la prise en compte de l'accessibilité dans tous leurs travaux. Merci Yann, merci José. Bah, écoutez, c'était un exposé très clair sur finalement exposer à nos auditeurs qui ne sont pas forcément au courant de comment on réalise un site web. Là, il y a des notions propres à la chefferie de projet, de la méthode Scrum, de c'est quoi un métier de référent en accessibilité numérique. Donc bravo déjà Yann pour avoir accédé à ce poste. Et puis on voit que plus c'est pris en amont avec des objectifs de maintien dans le temps de l'accessibilité numérique, forcément le projet est accessible, reste accessible. Et ça, c'est important, notamment, comme tu l'as dit pour terminer Yann, le fait d'avoir une coquille, un contenant qui est accessible à la livraison au mois de mai, et l'important c'est qu'un an après, ou voire deux, trois ans après, les gens qui alimentent quotidiennement ce site puissent ne pas faire de bêtises en termes de remplissage dans les contenus et puissent avoir les réflexes d'accessibilité pour rendre pérenne l'accessibilité dans le temps. Donc écoutez messieurs, merci mille fois, c'était très clair, les transparents pourront être diffusés évidemment. On va donner la parole à Pascal qui, pour quelques minutes, s'il y a des questions, si elle a elle-même des questions, eh bien, voilà, Yann et José sont là pour y répondre. On ne t'entend pas. Vous me voyez parler, mais vous ne m'entendiez pas. Exactement. Ça va mieux, là ? Parfait. Bon. Ok. Eh bien, écoutez, moi, je suis impressionnée par cette présentation et si je peux me permettre, j'aurais qu'une seule envie, c'est qu'on clone votre équipe dans tous les ministères, toutes les collectivités locales et chez tous les grands groupes privés qui ne produisent pas de sites accessibles, loin s'en faut. J'aimerais savoir, selon vous, alors on a compris qu'il y avait une notion, une demande forte dès le départ de cette accessibilité numérique, mais quels sont les ingrédients qui ont fait que ça a pu prendre avec une telle efficacité? Je pense à la technique, mais j'imagine aussi qu'il y a une grande part d'investissement personnel et de fait que de grandes convictions soutiennent ce projet. Alors, effectivement, bon, on applique ce que tous les experts rabâchent depuis 15 ans. Hein, effectivement, c'est quand même, on a pris en compte l'accessibilité vraiment dès le début du projet. Dès le début du projet, c'est déjà c'est les donneurs d'ordre, bien sûr. Nous, à la Caisse des dépôts, on a une directrice qui vraiment était à fond là-dessus et qui nous soutient à 100%. Sur l'accessibilité, mais bon, de par les publics visés par la plateforme, c'était inconcevable qu'on ne prenne pas en compte ce sujet vraiment dès le début du projet. Et donc après, le secret, c'est une prise en compte vraiment à tout moment. C'est dès la conception, dès qu'on peut présenter quelque chose aux utilisateurs, c'est de les faire tester, c'est effectivement de produire quelque chose de conforme, mais de tester, de manière à avoir vraiment des retours les plus efficaces, et on corrige le tir si ça ne va pas, et c'est ça qui est vraiment la clé, quoi. C'est une prise en compte sur toute la chaîne et de tester vraiment le plus régulièrement possible pour garantir ce niveau, on va dire. Et pour compléter, c'est la collaboration au sein de l'équipe, hein, puisque c'est vraiment un travail d'équipe qui s'est mis en place au fur et à mesure, et donc avec cette montée en compétences en lien avec Yann, avec la Fédération des aveugles de France,
Et ça, le cadre de travail Agile Scrum nous permet vraiment d'être dans ce mode collaboratif au sein de l'équipe. Et c'est un point vraiment crucial également. José, j'avais une petite question. Pardon, Pascal, je me permets. Tu parles de l'équipe à l'instant. Est-ce que pour une thématique un peu nouvelle par rapport à un certain nombre de développeurs ou de techniciens intervenant sur le site, est-ce que ça peut être vu comme une contrainte? Parce que moi, je trouve intéressant que Yann, qui est un externe au départ et qui est lui formé depuis des années à l'accessibilité, donc lui est quelqu'un déjà de très investi et donc va insuffler son investissement et sa motivation aux autres. Mais est-ce qu'il y a pu y avoir des petites résistances, des blocages à un moment? J'en ai pas constaté vraiment. Je pense que tous les intervenants, toute l'équipe qui a rejoint ce projet avait à cœur de faire quelque chose vraiment de très propre et vraiment d'utilisable par les personnes. Donc non, il n'y a pas eu de frein. Il y a eu de la sueur hein, par contre pour monter en compétences, mais ça s'est vraiment fait voilà au fil de l'eau, sans qu'on stresse plus que ça, sans qu'on mette de la pression. Voilà, c'est vraiment ce mode collaboratif avec Yann qui a extrêmement bien marché et l'équipe, au fur et à mesure, voilà, est montée en compétence, a permis de délivrer ce beau projet. Mais sensibilisés au sujet, c'est de rencontrer en fait des personnes en situation de handicap via nos tests utilisateurs. Ça, je pense que ça a été un vrai élément déclencheur pour eux en termes de prise de conscience. Qu'il y a des utilisateurs qui zooment à 200-300% un écran pour voir et pour utiliser Internet, des utilisateurs qui utilisent un lecteur d'écran, ils ne savaient pas forcément ce que c'était qu'un lecteur d'écran. Là, ils ont vu vraiment dans la vraie vie, si j'ose dire, des utilisateurs tester notre produit, commencer à tester la plateforme avec leurs aides techniques, avec leur contexte d'utilisation. Et ça, forcément, effectivement, tous les développeurs n'ont pas forcément conscience de tous ces cas d'utilisation, en fait, de tous ces usages, de toutes ces aides techniques. Et de rencontrer les personnes, ça a été vraiment pour moi, enfin, ils me l'ont dit, en tout cas, c'était vraiment un effet déclencheur dans la prise de conscience et du fait que, les développements, ils doivent être accessibles pour que le produit soit fonctionnel. Si ce n'est pas accessible, ce n'est pas fonctionnel. Oui, ça paraît effectivement le passage de la théorie et de la bonne volonté à la pratique et au fait de constater que entre l'instant où on a fait un test qui n'était pas probant et l'instant où on a corrigé le tir, du coup, ça change tout pour l'utilisateur final. J'imagine qu'effectivement, ça puisse être un sérieux moteur. Oui. J'avais une autre question, peut-être pour Fernando, s'il est encore là. Mais peut-être. Absolument, si. Absolument. Je m'étais mis en muet, mais je suis. D'accord. Comment peut-on signaler un site public, par exemple, restons sur les sites publics, ou même un site privé, mais qui tombe sous le coup des lois dont tu nous as bien détaillé les différents tenants et aboutissants. Quelle démarche l'utilisateur lambda peut-il entreprendre, ne serait-ce que pour le signaler comme mauvais élève, par exemple? Alors, ta question me gêne, mais pas parce qu'elle me gêne moi en tant qu'individu, mais c'est parce qu'on est censé avoir une réponse. Et j'ai du mal aujourd'hui réellement à valoriser cette réponse. C'est-à-dire qu'on a un site internet qui a été mis en place dans le cadre en réalité de l'accompagnement de cet observatoire des démarches dont Denis nous a parlé, qui s'appelle Vox Usager. Et en fait, le problème, c'est qu'ils auraient dû s'inspirer des méthodes mises en place par José et Yann pour faire en sorte que ce site lui-même soit accessible. Et donc, du coup, si on va sur Vox Usager, donc voxusager.gouv.fr, on a une plateforme qui permet de signaler un certain nombre de choses, mais qui mériterait encore de
travailler un peu sur son accessibilité. Là, je suis en train de me rendre au moment où je te parle, parce qu'après tout, on ne sait jamais. Peut-être que dans la nuit, il s'est passé quelque chose. Et puis bon, il faut être honnête, je ne vais pas tous les jours sur cette plateforme non plus. Mais là, par exemple… Surtout si elle n'est pas accessible. C'est ça, voilà, ou pas super accessible. Donc là, sous mes doigts et Bobby, j'ai une image qui me dit… alors, je vous lis parce que j'ai de la chance d'avoir un afficheur braille, parce que si en plus, je devais restituer ce que la synthèse me disait dans le casque, ce serait d'autant plus compliqué à lire. Mais enfin, je vais me permettre de vous lire ce que j'ai là sous les doigts. J'ai… pen-wild.svg. Voilà. Et avec ça, bah, débrouillez-vous pour savoir ce que ça veut dire. Donc, on le voit, il y a encore un gros travail à faire pour que cette plateforme qui, justement, le 11 février 2020, avait été mise en avant pour permettre notamment le signalement de défauts d'accessibilité numérique, soit elle-même accessible. Voilà. Donc, officiellement, on a quelque chose, mais dans les faits, ce n'est pas accessible. Et ça fait déjà un petit moment qu'on alerte les services de l'État sur le fait de la rendre elle-même accessible. Oui, ça me rappelle une expérience pour laquelle je voulais protester contre un site du ministère de l'Intérieur. Donc, c'était pour le référendum d'initiative partagée, qui était protégé par un CAPTCHA. Sauf que pour déposer une réclamation, il y avait également un CAPTCHA. Voilà. Donc, c'est quand même pas très réjouissant tout ça, mais bon, on va espérer que ça évolue dans le bon sens dans le temps. La prise en compte est vraiment difficile, quoi. Elle est vraiment difficile et on voit bien que ce n'est pas encore dans les esprits que de concevoir accessible et de travailler cette question. Ça, c'est évident, c'est vraiment évident. Tout ce qu'on voit, c'est que avec un couple comme José et Yann, on a une présentation qui tient en 20 minutes pour montrer des bonnes pratiques, montrer des bons exemples, montrer des expérimentations qui ont donné un très bon résultat. Bah voilà, c'est quelque part, c'est packagé. Donc, messieurs, en plus de votre travail au quotidien, j'imagine que, et j'espère que vous allez être soumis à de la demande justement de présenter, rien que dans les services publics, dans l'interministériel, dans tout ce qu'on veut, ces bonnes pratiques, ça mérite. En plus, vous avez la bonne idée de mettre de rappeler les ressources utiles pour les différents corps de métier. Et donc, je pense que c'est très salutaire et on vous remercie pour ça. Merci à vous. Et n'hésitez pas à aller sur la plateforme et notamment à nous faire des retours. On n'y manquera pas, vous le Absolument. Savez. Merci beaucoup. Absolument. Merci messieurs, merci beaucoup. Merci encore. Et bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Et ben, il est l'heure pour nous de clore cette matinée de nos Jet DV 2020 avec un retour à 14h sur YouTube, un peu avant sur Zoom, le temps de lancer proprement toutes les petites manipulations techniques. On se retrouvera pour une table ronde qui parlera de parentalité numérique et déficience visuelle. Et écoutez, une fois de plus, sans vouloir être lourdement insistant, mais je sais que Denis, ça lui fait plaisir de regarder régulièrement si les compteurs montent. Profitez de ce temps de pause après avoir déjeuné ou avant pour aller remplir notre étude sur les lecteurs d'écran disponibles à l'adresse http://études2020.aveugle-de-france.org. Voilà. Merci à tous et à tout à l'heure. Bon appétit à tout à l'heure. À tout à l'heure, Pascal. Au revoir. Bon appétit tout le monde.